Salut à tous et bienvenue sur Europa Universalis 4 avec le Portugal sur la partie multijoueur. Alors ben... Alors, ça se passe comment déjà? J'ai de l'armée ici, ça c'est mes navires lourds. J'ai une force de frappe qui est positionnée ici. Vous me dites hein, quand vous êtes tous prêts et que vous avez le temps de regarder un peu tout ce qui s'était passé. Yep. Restaurer le Saint-Siège. C'est loin pour moi. Une petite seconde. Améliorer, non, ça m'intéresse pas. La contre-réforme, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas non plus. Alors, j'ai récupéré des territoires, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il a fait de la merde comme le bottin. Hein. Ah, ouais, d'accord. Okay. Non, la Colombie, elle est pas mal. Lui, il est déjà en guerre ici. 30 secondes, je ferme la porte. Voilà. La Castille, la trêve, elle est jusqu'à quand déjà? C'est bon pour moi. La trêve avec moi, c'est en 85, c'est dans 5 ans. L'annexion, elle finit en 92, elle est pas très... Quoique, quand même, 5 par 5. Je vais pas mettre pause hein, si vous avez besoin. Ça va être quand même long. La France est en... Ouais, la France se fait défoncer. Non, la France, c'est dans le camp qui domine. Donc, il n'y a pas de souci. La Sicile. Par la Toscane. Par contre, je retire tous mes hommes de la guerre, là. Ah, pourquoi? Arrête. Ouais, la guerre n'a pas fini. Ouais, là, y a pas grand-chose. J'ai fait exactement pareil. Là, ils sont sauf que, ouais, il reste quand même 40 000 unités chez moi. Ah ouais? Ouais, un petit pack de la République des Nations en guerre. Province, ça, c'est ça marche, je t'envoie mes merco. Ouais. Merco. Passerait en rentrant en Angleterre. Ok. C'est bon. Pendant la guerre de Ligue, je laisse si ça vous dérange pas en vitesse 2. C'est qui ça? Fabriquer une revendication. Ouais, fait, mais Portugal, il participe pas à la baston? Non, il est resté. Sincèrement, est-ce que t'as vu, il y a qui du côté protestant? Justement. Ouais, mais tu perds des bonus. Hein. Mais, je perds peut-être des bonus, mais j'ai pas envie d'aller me suicider. Ouais, pourtant, un défenseur de la foi catholique. Est-ce que je suis déçu que le Portugais soit pas venu. T'en as marqué quoi dessus? Ça aurait été le moment où il aurait pu nous prouver la surpuissance des Portugais. Ouais, surtout qu'il c'est le premier défendeur du pape. Tu veux parler de mon voisin? De ouais, même plus en Italie. ça. Il faut que qui se trouve être dans le territoire des Pays-Bas, donc qui risque de disparaître. Une carte. Oh punaise, je sais plus, celle-là. Ouais, j'ai déjà pas mal celle-là. Ouais, il faut que je continue. Il faut que je prenne ces deux-là. Ça me donnera une frontière avec les autres, c'est pas grave. L'argent, est-ce que j'ai des choses à acheter? J'ai acheté deux navires, bah, je vais acheter deux caracs. Au niveau des sciences, les prochains navires, c'est niveau 15. Ouais, donc j'économise pour les galions. Un conseiller qui est mort, j'en achète un nouveau tout de suite. Je gagne pas mal d'argent, donc je vais prendre un niveau 2. 17, au niveau de ça, est-ce qu'il y a quelques... Ouf! Il y en a qui m'aiment pas beaucoup en ce moment, là. Ils peuvent gagner de l'influence. Non, ça m'intéresse pas. Ils gagnent de l'influence. Et là, ils gagnent de l'influence. C'est bon, t'as plus de troupes aux Pays-Bas. Merci, c'est gentil. Là, ils gagneraient de l'influence. Ouais, en fait, le don, je peux pas le faire encore avant 89. Et là, je peux. Par contre, il y a encore pas mal de troupes là, je viens de voir. Ouais, je peux pas faire les trucs. Ouais, ouais, oh, il y a 57 000. Voilà, il reste encore des bons gros packs. Hein. Bah, grâce à la République des Nations. Faudrait peut-être que je prévois. Non, ça coûte trop cher de toute façon, on peut pas en acheter. Ah, pas autant d'armées que ça, hein. Là, il y en a combien? Bah, après, c'est peut-être un pack de plein de nations. Non, il y a aussi Venise, 30 000 hommes de Venise.
La Ardenne, elle a plus que 20 000 hommes. Hein. Celui-là. Tel c'est. Et là, ils sont en train de gagner des batailles. Ouais, je remonte à 31 000 hommes. Parce qu'ils sont tous en. Voilà, on va acheter un centre de recrutement. Ouais, en Bohème, ouais. Donc, la nouvelle revendication tout de suite. Cantabri. Je veux dire, leur alliance m'en fout totalement. J'ai beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'hommes en dehors. On attaque les 13 000 là. C'est très long, mais ça va finir. Donc là, il faut que j'attaque tout, à vrai dire. Ah, oui, c'est vrai que je devais leur faire la guerre à eux, je les avais oubliés. Et que derrière, je me retourne sur eux. Ok. Et au niveau de mes colonies, que je me souvienne. Fais gaffe. Il y en a 4 en cours, donc il va falloir que je me Voilà lance comment ça, ils sont ici. pas fonds, là. C'est bon, ils se barrent. Un peu, de manière un peu plus violent. Ouais. Ok, et au niveau des quêtes, il n'y a toujours rien d'intéressant, à part mes ambitions italiennes que je ferai prochainement. Donc j'ai 29 vaisseaux lourds, ça se passe très bien. Au niveau de mes doctrines, j'en suis où? Ça j'ai fini, je développe celle-là. La prochaine doctrine, j'ai le temps, je suis dans les temps partout, il n'y a pas de souci. Là, il faut que j'attende la fin de mon casus belli et je vais lancer les guerres. Enfin, je vais faire 2 guerres d'affilée. Oh putain, j'ai pas mal de rebelles. 40 000 rebelles qui viennent d'apparaître. C'est la revendication de quoi ça? Denkira, c'est ça. En plus, c'est les pires. Ouais, c'est quoi comme rebelle? Particulatiriste. Ah oui. Avec 40 000. Ouais, un peu plus d'impôts, ça me fait plaisir. Vous, qu'est-ce que vous attendez sincèrement pour vous Mais ils agrandir? s'en foutent les Turcs. Ouais, c'est bon, j'avais pas mal d'hommes à côté, mais bon. Tel c'est, ils sont à 48%. Ouais, il m'aime pas assez apparemment. Peut-être falloir que je leur apprenne un peu plus la vie. Ouais, c'est vrai que dès que j'aurai intégré la Catalogne, ça devrait les calmer parce que je vais intégrer une bonne base de taxes. Ouh, les clercs qui perdent de l'influence, est-ce que ça me gêne un peu ça? Ok, donc je peux relancer mes guerres coloniales. Tout de suite, maintenance de l'armée à fond. Ah, je pensais pas que j'avais un prêt à rembourser. Ça, c'est un peu gênant. Combien de prêts à C'est bon, rembourser? les Français sont revenus sur en guerre. J'en ai un Sont en train seul. d'anéantir toutes les petites armées. Oh, bah, je les accompagne dans leur J'ai plus un seul chef militaire. Mon génocide. roi, il est comment? Mon roi est pas trop mal. Le suivant. Mon roi non plus. On va dire qu'on supporte. Je vais me prendre un conquistador, ce sera plus simple. Ok. Je déclenche la guerre. Ça là, elle était finie, donc je peux monter ici. Ah, c'est vachement long en vitesse 2, vrai qu'on n'a plus l'habitude. Alain Théron s'est fait repérer, et mince, ça va prendre 40 ans. Donc lui, de toute façon, faut pas que j'y touche parce que c'est en cours, celui-là il est bien terminé. Hop, on passe à la suivante. Il y a Brunswick qui me propose des alliances. Accepte tout de suite, c'est les meilleurs. Ah. Surtout que la première fois, j'ai pas répondu. Et il me propose une tout de suite après. D'habitude, il le fait pas, ça. C'est parce qu'il a envie de perdre des points avec toi. Non, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah oui, en fait, il m'en manque une. Ouais, je suis un peu en avance en fait. Va jusque là-bas. Ah oui. Même le Kazan quoi dans la garde ligne.
Comment c'est ça? Le joueur de Toscane, tu serais intéressé ouais. dans une guerre contre Naples ou pas? J'ai trop d'expansion agressive. D'accord. Donc ça c'est en guerre, ensuite j'ai passé sur... Dès que j'en ai plus, ben, quoi tu veux. Je sais pas si j'attendrai, c'est pour attaquer la Hollande donc... Ouais, de toute façon je te dirai... Tu viens tout de suite là-bas parce que je vais tout de suite m'attaquer les suivants. C'est quoi il finit la paix là par contre? Bah, il va faire la paix avec tous les petits pays devant, je pense. Je sais pas s'il peut faire des mineurs... Et il en fait à chaque fois. Ok. Allez, c'est parti. Surtout les deux plus grosses nations, elles sont faibles. La République des deux nations, l'Autriche et Venise. Ah bah Venise est complètement occupée, sauf la capitale. Bah, pour l'Autriche, elle est quasiment occupée aussi. Hein. Une question, Venise, t'appelles ça une grosse nation? C'est plutôt puissant. Hein. Ouais, c'est pas mal dingue quand même. Ah ouais, c'est à lui tout seul, il y a comme 30 000 hommes. Et surtout riche, ouais. Sincèrement, Venise, il a encore 30 000 hommes, comment il fait? Les mercos. Non mais là, il a atomisé sa limite. Mais il s'en fiche, c'est Venise. C'est la force de Venise, hein, c'est son pouvoir économique complètement pété. Triche est carrément tout occupé là. Ouais. Non, il manque Gorze. Voilà. Donc on a terminé les guerres ici. Enfin, Gouris. Ouais, une province. Le Mexique, j'ai pas regardé. En fait, il vient juste de la récupérer. Hein. Ça, c'est quoi? C'est. Ah, ils ont 36 000 particularis à la République des Nations. Je peux dire que c'est fort, les ouais, c'est bon, très mal. Pas tarder de signer à ça alors. Alors là, c'est bon. Alors, je voulais proposer quelque chose qui n'a pas eu lieu, donc c'était pas cool. Là, maintenant, je revendique Biscay. La Catalogne. Oh, je suis allé à Brandebourg. Ils ont revendiqué ça. Ils revendiquent rien ici, donc ça m'arrange pas du tout. Telcé m'a revendiqué ces deux territoires ici. Peut-être si je suis gentil, je leur donnerai. J'aurais préféré qu'ils fassent des casus belli ailleurs. C'est pas un vénitien qui bloque le passage entre Sentinople. Non, non, moi il bloque plus avec le nouveau. Il est pas de ton côté, tu pourrais les foncer, c'est ce que je veux dire. Ouais, ma limite d'homme elle est pas mal. Là on est nombreux, je pense qu'on est même trop nombreux. Encourageant, c'est très bien. Hop. Si vous pouviez m'accélérer ça pour qu'elle finisse suffisamment vite pour que je puisse m'en débarrasser. Donc, ça c'est bien ce que je dis, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, je gagnerai un super power up et je pourrai commencer les casus belli. Là, il faut que je rembourse ma dette, ça va pas longtemps que j'y pense. J'ai une énorme maladie de guerre là. Ouais, j'ai demandé la paix moi. Je vais faire la même chose. J'attends encore un peu, mais ça. Enfin. Il y a vraiment. Non. Ah, moi je vais me retirer. Alors, qui c'est qui va signer la paix? Et je peux prendre des thunes. Oh non, bon, j'attends un peu quand même. Ah, c'est mort, il refuse tout. Je prends ça et leur thune. Punaise, ils ont pas de thune. La Toscane? Ouais. Tu penses que tu pourras venir une guerre contre le même look ou pas? Tranquille. Bref, ouais. Cette guerre-là. Ouais, mais ah t'as non, 15. Ah non, laisse tomber, j'ai pas de 4 de belly et en plus je suis un truc. Ouais, bah fais-en pendant ce temps-là. Ouais. On est ailleurs. Et un canon pour le plaisir. Hop, mais ouais, mais t'as 15 à la suite de guerre, elle va sûrement pas la paix pas longtemps. Espérons-le. Ouais, ouais. Ils sont là, on a demandé la paix donc. Ouais. Faut que tu viennes. Ah, il va essayer d'avant nous de toute façon. Mon deuxième colon, il est au Kai. Faut que je le rappelle. Et je vais l'envoyer. Mais quand même, cette guerre, elle me saoule quand même.
Parce que ça m'empêche, pendant un bon mois, on va être en trêve avec la plupart des pays. Dans 17 jours, je vais signer ma paix ici. Ah, moi, j'ai fait ça, la ça paix. commence à... Ah non, d'accord, c'est la première mise. Ouais, c'est bon. Danzig était dans la guerre ou pas? Ouais, oui, mais je l'ai occupé et ça. En fait, non, D'accord. je vais Ça va directement certainement bien aller faire. à Tulikan. Go à Tulikan. Ouais, là, ça cède partout, hein. Là, je prends donc tout. Oh, mais ça cède pas de notre côté en fait. Ça cède de Et l'autre côté. je mets ouais. ça. Il faut dire que Brandebourg aussi. Ça me fait un peu de prestige, histoire que je reste à 100. La Suède hein, qui veut pas. Bim, bim. Ah ouais, je l'ai occupée C'est qui? aux deux tiers, mais elle a pas cédé. Tebsem. Après, elle a des révoltes, donc je pense Ouais. qu'elle Ouais, après, elle a sortira. plein de paysans. Il y a des révoltes partout en fait. Ouais. 8000, ouais, je préfère plutôt que vous passiez de l'autre côté sur Ouida. Là, je vais déposer l'armée de ma flotte. Alors, elle est où ma flotte? Elle arrive prochainement. Ah, des catastrophes aussi. Je veux une bombarde ici. J'ai que deux alliances. C'est J'attends. incroyable. Allez, mon navire, on se dépêche un petit peu. Faut que tu me déposes les troupes ici. Normalement, ça me fera pile ce qu'il faut. Ah, mais si elle se dépêche pas de faire une paix avec l'Autriche, on va perdre toute l'Autriche à cause des rebelles. Ouais. Bourride 15 est Hello, entré dans Braque, le apparemment tu salon. voulais me parler. C'est bon. Shark est entré dans le salon. Ouais, mais on est en pleine GPO en fait là. Ah, ok. Une manufacture Merci. navale. À plus, bah bisous. Ouais, amusez-vous bien alors. Là, il y a du Merci, plus aussi. 23. Bourride 15 C'est qui? s'est déplacé dans le salon Plus 20, Bankyo, c'est un mec qui joue dans la Bankyo, GPO full Asie. Bankyo. Shark s'est Ah, mais c'est qui déplacé dans comme le joueur? salon Akis au bon lait de Brebus. Justement, c'est un joueur qui va entrer dans la GPO lui. 5. Ouais, on va prendre textile et celui qui est là. T'as des rebelles de partout là, ça pète de tous les côtés. Je vais me refaire des francs-tireurs J'ai comme réussi à ça. péter 20 000, mais il y a 30 000, 40 000, je touche pas à ça moi. Un petit peu plus d'hommes parce Mais que si le on fait que pouvait faire pas Tebsem des soit trop hommes pour les supérieur à moi, ça me rebelles. plaît pas. Voilà, vous. J'ai essayé de préserver le siège de Trévise, mais après, Faut venir ici. les autres, j'en ai pas les steaks. Ça va, ouais. Moi ça va, parce que vous êtes même frontalier, donc... Hop là, à l'attaque. De toute façon, si je vois que t'as beaucoup de Oh, troupes ça qui viennent devrait le vers faire. toi. Ça devrait le faire. C'est à peu Ok. près ça. Tac 13 000 sur Couze, machin chose. Y a plus d'armée là, y a que des. C'est ça, y a que des Oui. révoltes là. En fait, c'est ça. C'est des armées de rebelles. Ouais. Ok, ça c'est fini aussi. Ouais, 77%, On me va dis pas essayer que de. c'est Mais je sais bon pas là. ce qu'il fait là. Faut qu'il La fasse sa cap. paix, c'est bon, on a gagné quoi. Ok, ça s'est passé. On va perdre à cause des rebelles, je sais pas quoi ça. De toute façon, s'il y a trop de rebelles, moi je vais peuple blanc, je me barre. Non, je pense Ça, il faut que ça avance. pas qu'on va perdre Apparemment, non plus si ils je. sont en Ils ont train de faire trop de la mis de guerre de religion de mousquets, manière bizarre, ça fait très peur, Ouais. mais bon. Comment ça allait Ah, là? puis il y a une grosse perte d'effectifs dans nos armées, quoi. Ah, qui c'est qui a plus d'effectifs? Ouais. Moi. J'ai voulu me battre contre les rebelles, donc du coup, moins 8 000. Non, moi je suis toujours à fond. T'es un Anglais, toi, resté Tu veux sur ton savoir île. si l'Ottoman il a envie d'effectifs ou pas? Hein, Quoi? Damzou, tu veux savoir si l'Ottoman il a effectif ou pas? Oh, à mon avis, déjà l'Ottoman, s'il peut atteindre mes terres, c'est déjà un miracle. T'as plus d'effectifs que moi, je suis sûr. Parce que l'Ottoman, pour m'atteindre, il faut qu'il traverse le Mamelouk. Et à mon avis, le Mamelouk, il doit te détester d'une puissance. Avec des C'est bateaux. vrai, c'est Ouais, vrai. il a des Non, galères, non, hein. à mon avis, niveau bateau, faut pas qu'il se frotte à moi. Ouais, mais c'est méditerranéen, Oh, mais... ouais, je sais pas, normalement, Non, l'Ottoman est mais censé j'ai avoir pas une envie grosse flotte, hein. de... Non, mais les Portugais doivent quand même avoir pas mal de bateaux. J'ai pas envie d'essayer.
Sur Terre, il t'a pas tamisé, mais, pas... chez... mais c'est impossible qu'il arrive chez moi. Ah, après tout, s'il faut vraiment venir chez toi, je ferai la guerre Mamelouk et venir. C'est pas vrai, tu vois. Voilà. Oh, mais les Mamelouk, c'est les mercenaires qui vont s'en occuper. Ouais. Bon, alors, marcher dessus, hein. Merci. Bah après, tu sais, si tu passes par Mamelouk, tu vas juste occuper mes colonies. Ouais, c'est vrai. Moi, bon, attends, j'ai rien à Rome. Et je pense que Rome coûte plus de points de victoire que mes colonies. Ouais. Il y a la Toscane, là. Et oui, je suis là. Alors, par contre, là, sans vouloir me vanter, je pense que je peux battre la Toscane. Ouais, mais je suis allé à l'Ottoman. Hein. Bah, moi, je suis allé à la Grande-Bretagne. Bah, moi aussi, tu vois. Eh, vous vous calmez. Apparemment, l'anglais est pas trop content du partage des colonies, alors on peut s'arranger. Hein. Non, je crois que je suis allé à beaucoup trop de monde. Là, je pense que Damzo il est en train de réfléchir. Il dit ah ouais, pas con. Faut que je revoie mes alliances. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en fait, si t'as le malus en défensive et t'as le malus débarquement. S'il débarque, porte-gay, il doit être confiant. Le malus c'est quand même important. Et oui. Non, de toute façon, je soutiens l'indépendance du Portugal. T'as bien raison, continue. Ah, je pense que Damzou, tu devrais trouver pied quand même. Franchement, moi aussi, je soutiens à fond l'indépendance du Portugal. Ah, moi je soutiens l'indépendance des 13 colonies. C'est mieux ça. Et moi de Tlemcen. Ouais, je sais que vous m'aimez, mais quand même. Par contre, je trouve ça anormal que ça vous ait converti à ces régions-là. C'est des régions sunnites, elles auraient dû rester sunnites. Je me sens insulté. Ah oui, c'est catholique. Qu'est-ce qui est catholique? Les régions berbères t'as converti. Ah bah oui, au départ j'avais que ça, heureusement que je les ai convertis, sinon je serais en unité religieuse depuis longtemps là, enfin en guerre j'aime... religieuse. Ouais, alors attends, parce que j'ai eu un Cassius Belli contre toi, j'aime pas trop la province que tu viens de coloniser là. C'est que ça m'embête. L'Afrique, la porte de l'Afrique Ouais, tu vas m'empêcher de rejoindre le Congo là. Mais il en reste une en dessous normalement, tu peux le prendre en dessous le Congo. Mmh. Je pense que c'est la fin de la République des... Des nations, par contre. Non, la République des Nations, ils se relèveront, n'inquiète pas. Non. Ils ont plus aucune armée, et ils ont des rebelles par stack de 25 000, donc ça m'étonne. Au revoir, Polonie-Tony. C'est faisable, ça? J'ai jamais vu. Ah, bah, il y a des rebelles, il y a des séparatistes à Lituanie, là, donc. Ouais, mais ça... On va pas détruire la République des Nations, non, même si ils perdent. Ah, c'est fini quand? L'Hongrie, elle a perdu un morceau. Bah, que l'Ottoman a tout de suite récupéré. Mm. Ah bon, j'ai. Ah, la Transylvanie. Il a pas fait exprès, ah. Il a glissé. Non, en fait, c'est moi qui l'ai obligé à le relâcher pour aller le prendre. Ah, je vais faire remonter vers l'arrière DN. Eh punaise, je viens de réaliser que je pense à coloniser. Ah ouais, en Afrique. Elle a un seul port, hein. Elle en a un. Ah bah, ouais, ce port, elle va le faire bientôt alors, parce que là, ça va pas. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien taper sur la France, moi. Eh, Navarre, ça appartient à l'Angleterre. Ouais, ça appartient à la France. Oh, Navarre. Ouais. C'est pas bon de ramener autant d'hommes sur des colonies. Ah non, je promène mon armée. Ouais, mais du coup, qui c'est qui défend ton pays? Bah, la moitié. Ah. Ouais. Donc ça veut dire que t'as 26 000 troupes. Le montant, je te le garde secret.
Au pire, on va dans les statistiques. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas drôle. C'est pas ouais, dur. J'aurais dû les désactiver. Ouais, on aurait dû, là. Ouais. Mais bon, vous voulez un peu voir les effectifs de l'Ottoman? Bon, on les a vus sur la guerre, hein, puis on les voit là actuellement. Oh putain, fait chier. Que à moi tout seul, j'apporte la moitié. Ouais, t'apportes la moitié liguée. Je sais pas si je peux les désactiver en cours de. Non. C'est pas que déjà. Parce que en multijoueur, c'est pas cool ça. Ouais, mais j'y ai pas pensé. Avec le registre, c'est un peu de triche, quoi. Alors 80. Là, c'est 52. Asturie, 45. Et c'est la prairie. On va monter un petit peu. Voilà. Ouais, il abuse, le Bohémien. Ok, donc mes trois colonies sont en cours. Ah, moi j'en connais un autre qui abuse là. Je vois pas de qui tu parles. J'ai hâte de voir. Ah, moi je me retire de la guerre, ça m'a saoulé. Pourquoi ils sont passés à 100 Ils sont soutenus. Ah là là, ça me saoule, par contre là. Il faut que je trouve une idée intéressante. Il me faut une idée. Et là, j'ai pas d'idée, j'avoue. Parce que j'ai pas les moyens de faire une guerre contre lui. Comment est-ce que je peux négocier ça? Pause s'il te plaît. Ah, ton vassal. Ouais. Oula. L'Afrique, ça pète. Avec l'Ottoman. Mais j'étais en train d'améliorer mes relations pour. Avec la. Ah oui, en plus, ça c'est avec la. Ah ouais. La Transylvanie. Ah oui, on est. Ça sert à toi. Bon, avant de lancer la guerre, on peut discuter ou. Bah non. Non, on remet en. Bah oui, mais bon. Enlever la pause, quoi. Attends, on discute. Bah c'est. Mais t'as invité ça. Est-ce que tu comptes intervenir ou non? Oui, je vais les libérer. Tu comptes les libérer? Oui. Eh ben c'est la guerre. Ça marche. Non, c'est sérieux. Ça va nous appeler de tous les côtés, eh. Bah, non, ça va t'appeler de tous les côtés. Bah en théorie, c'est la défense qui est prioritaire. Bah mais mec, attends, déjà que la guerre de Ligue elle me saoule déjà. Vous n'arrivez pas à faire paix blanche, moi. Si, mais. J'ai pas. Si je fais paix blanche, j'aurais pas les bonus de la ligue. Et les bonus en tradition militaire, c'est quand même pas mal. Il y a 21 000 hommes. De toute façon, voilà. Vous enlevez la pause. Ouais. Et co-belligérant, vous enlevez la pause, hein, si vous voulez.
Moi c'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Moi j'ai pas eu le temps de faire ma flotte, j'avais lancé beaucoup de bateaux exprès pour ça, mais... Pour moi c'est bon. Bah je pense qu'on va rester en vitesse 2. Oui, ça va être préférable. C'est bien, c'est une guerre qui va durer 100 ans. Ah, c'est déséquilibré quand même. Ah, quoi que non, attends. Le Portugal. Pas, parce, le... Moi, je... non, le Portugal est une sacrée flotte hein, quand même. Ouais. Et c'est déjà fait péter sa flotte en plus. Mais moi j'ai beaucoup de lassitude de guerre là, c'est incroyable. Toutes ces révoltes que je vais avoir à cause de l'autre guerre. Si tu veux, je peux venir t'aider avec mes 10 000 troupes. Hein. Tu proposes à qui? Ah, aux Ottomans, de venir aider contre ces révoltes. Non, par contre, ah, pour les révoltes. Je... Ouais, en échange d'une compensation financière, bien évidemment. Je me doutais bien. Alors là, c'est un peu le bordel, parce que je pensais pas que l'Ottoman m'attaquerait, évidemment. Bon, putain, s'il te plaît, là. Moi, je vais rebalancer 20 000 hommes pour prendre des sièges. Donc, apparemment, je dirais que j'ai été trahi par l'Angleterre. Attends, parce que je regarde le bonus, là, non, mais attends, le bonus, je l'ai. Ouais, tu l'as, parce que pour l'instant, tu gagnes, tu gagnes la guerre, quoi. Enfin, non, non ça marque à participer à la guerre des ligues. Oh, oui, je l'ai, moi, là. Ouais, oui, je l'ai, moi, là. Tu l'as, tu l'as? Ah ouais, ouais, je l'ai le bonus. Et t'es plus en guerre, toi? Ouais, ouais. Bon, bah je vais quitter. Tout de suite. Ah ouais, moi aussi je l'ai. Dès que j'ai un diplomate de libre, ouais, c'est pas mal. Coup d'état militaire, moins 5. Oh putain, j'ai des rebelles qui pop, allez, c'est bon, je vais voir aussi. Moi aussi, je commence à avoir pas mal de rebelles. C'est chaud. Mais par contre, ceux-là, ils ont fait... C'est très très chaud ce qui m'arrive. Ouais. Parce qu'il faut que ma flotte soit mettre opérationnelle à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas le cas. Par contre, vous savez qu'on s'est tous retirés, il va perdre la guerre. Ouf. On s'en bat les steaks au pire. De toute façon, tout le monde est perdant dans cet empire. Ok. De tas de là. Il faut absolument qu'il débarque pas chez moi, c'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai juste à prendre ça et c'est fini. Le Portugal a perdu toutes ses colonies. Non, tous ses vassaux. Si tu veux faire la paix avant. Fais la paix avant. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il m'a appelé à la guerre. Ah, bah ouais? Qui ça, le Portugal? Ouais. Nerf. Et ouais, t'aurais dû attendre genre 2-3 mois, quoi. Rupture d'alliance. Ah non, 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 mais c'est juste que. Début de falsification sur les provinces portugaises. C'est juste que du coup, je peux pas me faire des protectorats maintenant, quoi. Ou alors, attends. Je vais juste poser des secondes. Je fais la paix avec l'autre là. Ah c'est bizarre, on a beaucoup moins de force d'un coup. Bah si, depuis au moins moi et Toscane, oui. Un de stable gratos. Merde, j'aurais dû vous donner les provinces que j'avais prises. J'avais presque pris toute l'Autriche. Ouais. Voilà. Du coup, vous restez dans la guerre, vous. C'est moi, je suis tout seul à rester dans la guerre. Ah, oui. Et ensuite, on va à Barcelone. Bonne chance. Merci. Bon, si je vois que ça part au vinaigre. Bien fait, pas améliorer mes bâtons maintenant, moi. T'as que des rebelles à péter, ils ont plus d'armée ennemie. C'est ça en plus. C'est les armées rebelles, c'est tout ce qu'il y a. Et des sièges à faire. Ouais, mais c'est ce que les rebelles ont fait, quoi. Ouais, je pense non, en Autriche. C'est très bien. Autrement qu'elle va occuper des trucs. Bah, puis les tiens aussi. Enfin, ceux de la Toscane. Oui. J'avais pris un seul siège. Bah, tout le nord du. Ouais, mais c'était tout en un seul fort. Colon quelque part. Celui non, il y avait aussi Sungo et Krabenden. Sungo, non, je sais pas si c'est toi qui l'avais. Ah, ouais, ah c'est bah. Je vais me faire là. Ouais, vu que ça y est plus maintenant, ouais. C'est peut-être moi. Voilà, bon, toujours date, à surveiller qu'il n'y ait pas d'arrivée ottomane, c'est tout.
Putain, mais le pire, c'est que... Ah non, la bohème, elle a pas beaucoup de lassitude, du coup, elle veut pas abandonner. Quelle conne. Les premières guerres, Ottoman contre le Portugal. Première bataille. T'as réussi à atteindre le territoire portugais. Ouais. Ah ouais. De toute façon, c'était prévisible, hein. C'était sûr. Ouais. Ah ouais, il y a l'anglais qui s'est mis. Ouais, c'est défensif, je pouvais pas. Ah, défensif, tu viens. T'as le général puis la tech aussi hein, d'avance. En plus, l'anglais a ramené toute sa flotte. D'accord. Ça fait partie des lois de la street. Tu sais que sur Terre, le Portugal, c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai tenté le coup, avant que les Anglais arrivent. Mais je pense pas que mes armées, je vais les laisser longtemps. Oh, t'inquiète pas, tu pourras rentrer bientôt. Et de l'aide navale, ce que j'apporte surtout. Ce qu'il avait pas besoin. Ouais, déjà ta flotte était déjà suffisant. C'est... On chope le bloc des 20 000 et c'est fini. RIP. Oh putain, j'ai pas vu la flotte portugaise. Attends, tu pensais quand même pas que j'allais laisser ça impuni? Oh putain. Ça, c'était quoi? La moitié de ta flotte? Non, c'est même la flotte entière, là. Attends, sans déconner, c'est 50 navires, c'est la moitié de ta flotte? Ouais. Non, c'est ma flotte entière, là. On voit que tu t'es pas du tout tourné sur tes galères, hein. Ouais, c'est sûr. Par contre, j'ai un demande qui est là. La Toscane? Ouais. Je te paye pour que tu me transportes mes hommes chez toi. Vu qu'on a allié, besoin de payer. D'accord. Est-ce que t'es prêt à attaquer sur Valence? Non, je peux pas bouger. Bah t'as pris le fort. Bah sur la côte. Ouais, mais je peux pas quand même bouger. Ouais, je suis ouais, là. Je t'envoie les vins. Attends, je vais séparer ça d'ailleurs. Ça ira plus vite. Attends, tu veux dire que Toscane peut transporter des hommes et moi je peux pas l'intercepter? Ah non, parce que je suis pas en guerre contre toi. Bah c'est une blague ce système. Bah écoute, l'Ottoman se fait violer donc. Non, en plus je viens de faire une grosse connerie avec tous mes transports là. Allez, j'ai des bateaux qui partent n'importe où. Dans la guerre des ligues, c'est carrément des rebelles contre des rebelles maintenant qui s'affrontent. C'est bon. C'est bon, tu peux rentrer. Ouais. Ils y sont là ou pas? Ouais, ils sont sur le golfe de Venise. Genre, je vais me faire attaquer. Gaffe à tes bateaux qui m'attaquent. Hein. Attaquer 110 bateaux, c'est suicide. Ça se peut, faut que je te demande un roi de mouillage. Accepte-le. C'est fait. Vas-y, essaye maintenant. C'est bon, normalement. Ouais, c'est bon, ça marche. Merci. Rien. Toi, t'as encore 14 000. Hein, ouais, attends, j'en vais encore 40 000. Ouais, bah mets les 14 000 déjà.
peux accéder à Valence ou pas maintenant? Bah attends, parce que si tu veux, j'ai demandé l'accès militaire à Castille et elle me l'a refusé. Je vais pas passer sans son accès, attends. Mais... C'est-à-dire, ce que je comprends pas, c'est quel fort qui t'empêche de passer là? C'est le fort de... Bah de la Castille en fait. Je sais pas pourquoi. Ça c'est sûr, c'est une sacrée bonne question. Attends, c'est bon. Je vais demander l'accès militaire. Directement à Alicante. Je vais demander l'accès militaire. Ouais. C'est bon pour transporter les autres hommes ou pas? Ouais. Attends, il y a les. Ah, pourquoi t'as quitté en fait là? Je vais passer par la France. Parce que... Je crois qu'il l'a pas fait exprès. Ouais, je passe par la France. Ouais, ouais bah faut juste que tu mettes tes hommes dedans là, dans les bateaux. J'attends que ça en fait. Je reviens très bientôt. Je peux pas le faire moi. Voilà, je suis sur le retour. Ah, je suis taillé, j'ai mes rebelles qui ont pété là. RIP. T'as assez d'hommes pour les péter ou pas? J'ai été en guerre contre le Portugal, moi. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Qui était en guerre contre moi? Bah, la Flandre. J'ai été en guerre contre toi. Oui, t'as, enfin, t'as suivi la Castille. D'accord. Tu vas sur Gérone ou Valence? Je vais sur Valence. Ok, je vais à Gérone. Ça, c'était les dernières troupes qui me manquaient. Attends, je vais pas à Gérone tout de suite en fait. C'est quoi ça? Et c'est passé quoi? Ah ouais, ça a fini comment là? Il a perdu son... sa marche. Mais c'est pas normal. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai perdu ma marche? Parce que t'as fait une paix blanche. Bah non, j'ai pas fait une... J'ai pas fait une paix blanche. J'ai négocié avec, avec la Catalogne. C'était eux les chefs de guerre et j'ai gagné la guerre. Ouais. Pourquoi est-ce que la TLCM m'a lâché? Ah là, je comprends pas non plus. Ouais. Et c'est pas la première fois que ça fait ce bug. Ah non, mais là, attendez, là, il s'est perdu son développement gratos. Saloperie de bug. C'est qui le roi de la Flandre déjà? Son prénom enfin, son c'est Kemetsu. Kemetsu, est-ce que tu peux te décéder de la Castille? Ça dépend si t'es prêt à donner des sous. Ouais, t'auras 300 du cas. Bon, allez, d'accord. Enfin, dès que je les aurai récupérés en mettant tout mon boulot. Faut juste me laisser un peu de temps. Ah, le Portugais, t'as de la chance. J'ai envoyé plus de 90 000 hommes là. Et c'est tout en France.
Non mais je les bois en plus. Déjà, ton armée, elle est arrivée parce qu'il y a un gros abus. Ce système de transporter les troupes, c'est pas normal. Bah, ou en cul en cas de guerre, quoi. Bon. Tu fais quoi, l'autre? J'essaye de rentrer chez moi. Moi, je vois tes hommes qui marchent sur la mer. Comment ça, mes hommes marchent sur la mer? En fait, ils vont en direction de la mer. Ils marchent sur l'eau. Ils attendent mes deux petits bateaux. Ah ouais, d'accord. Donc tu vas rapatrier tes 90 000 hommes avec deux bateaux. Ouais. Ah ouais. En tout cas, c'est ça. Donc vous... Ouais, ouais, c'est la persévérance. Ah, Kemetsu, il faut enlever ton alliance, s'il te plaît. Alors... Voilà. Merci. Au hasard, on prend Léon. Y'a quelqu'un qui sait éditer les sauvegardes? Hein? Bah pour régler un peu le bug qui s'est passé avec Telsem. Mets tes hommes à Luc. Laisse tes 13 000 Luc. Non, je sais pas du tout faire ça par contre, désolé. Je crois qu'il sait faire lui. Éditer? Bah oui, faut la mettre en solo quoi. Envoie les à Luc tes hommes. Les 13 000. Ouais, ils sont arrivés. Ah, les 13 000, d'accord. Ok, tac. On reprend l'exploration, merde arabe. Par contre, ce bug là, c'est pas la première fois que ça arrive ça. Sur d'autres parties, ça fait la même chose. Par contre, je peux pas mettre dans les navires là. Parce que du coup, j'ai même pas de casus belli spécial pour les récupérer. Attends. Normalement, tu dois pouvoir... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Tu peux là ou pas? J'ai fait dire ça tout de suite. Non, je peux pas. Bravo. Ouais, j'y touche pas pour l'instant. Okay. Je sais pas. Putain, en plus, du coup, il faut que je reprenne l'intégration de ces mecs là. Ouais. Ah, il y a Rome. Il y a Rome. J'envoie tout à Rome. Ouais. Ouais. Il y a une terreau, les mecs, on va tuer Braga. Putain, Venise elle a 20,1 de lassitude de guerre. Elle est toujours pas finie cette guerre. Non, toujours. Oh là là. Y'a plus d'ennemis, hein. On peut même plus gagner de score de guerre et plus d'ennemis. Ouais, tu devrais arrêter de convertir. Bah, de toute façon, je vais me convertir là. Je... Alors, qu'est-ce que je peux faire sincèrement pour rattraper cette grosse gros bordel? Certes. Ah, désolé, j'ai rien de plus. Non, toujours pas, je sais pas pourquoi. Oh, c'est chelou. Ah, je prends pas la tête. Lui... Je sais que si t'es en guerre, je sais pas. Avec eux, si t'as Pontifico, va continuer d'améliorer les relations. Non, je suis en paix là. Ouais. Oui, mais ça se peut que je peux que les transporter quand t'es en guerre. Je sais pas, c'est une connerie du genre. Parce que là, c'est bizarre. Allez, les mecs, dépêchez-vous quoi, il faut que j'aille faire cette guerre. Putain, mais comment je peux tenir en payant autant d'argent. Ah mais sincèrement, ça c'est de gruche quoi. On m'a piqué Telsem. On m'a piqué 20 000 hommes. En avant là-bas, j'ai pas de commandant, c'est pas grave. Et il est combien en militaire lui? Il est 15. Moi aussi. Mais par contre, on n'a pas du tout la même qualité de soldat, ça c'est sûr. Pourtant, doctrine, il m'en faudrait une deuxième militaire tout de suite. Ce serait un peu essentiel.
Là, normalement, c'est mes colonies qui sont en train de les raser. Ça, il n'y a pas de souci. Là, on est bon. Là, j'ai géré mes rebelles. Et après, on va aller faire un tour à c'est Castille. Sans au Gabon. Non, eux, il faut que je me les débloque tout de suite. Venez là-bas. Ah, mais elle n'est pas encore finie, oh là là. La 15, je suis pas prêt de la voir. Et le pire, c'est que ça m'a tout remis à zéro. Putain de merde. Bon bah la Castille c'est un peu fini. Gueldre et Saxe, je les vois pas venir. Direction la Castille, Cantabury. Ok. Oh, un pack de 21 000 de rebelles, oui! Ça la manque, oui. Colonie, toujours 4. Vous allez à Madrid, vous allez à la Manche. Vous allez aller là. Un de base de taxes. On va vous couper en deux. On s'en occupera toute la Castille. Quasiment. Oui. Toi, va là-bas. Ouais, bon, bah, dire que maintenant, je suis vraiment dans l'obligation de me méfier de l'Ottoman parce que je vois que c'est un gros escroc et qui m'en veut un peu beaucoup. Et sincèrement, ça me coûte trop cher. Agitation dans le pays moins 1, tu tombes au bon moment, à vrai dire. C'est laquelle qui me propose. Non, j'en veux pas. Par contre, il y a un truc, j'ai pas compris. Pourtant, j'ai pas soutenu l'indépendance de la Catalogne quand alors comment ça se fait que je suis venu? C'est pour ça que je comprenais pas. Moi, je pensais que c'était Demsen qui avait déclaré son Moi aussi, indépendance. mais non, c'est la Catalogne. Ben, moi non plus, j'ai pas compris. Alors peut-être que comme la Catalogne était alliée à Tlemcen, ça t'a appelé automatiquement, et du coup ça comptait pour tout le monde. L'arrivée de la Castille, là. D'ailleurs, elle vient d'où? Par contre, le portugais s'est vengé sur la Castille. Ouais. Non, ça c'était prévu déjà. C'est pas ce qu'on appelle une vengeance. Tout le monde sait que c'est le Portugal qui a formé l'Espagne. Bien sûr. D'ailleurs, comme tout bon judas que je suis, j'attends toujours mes sous. Ah, t'inquiète pas, ils arriveront à la fin de la guerre. Une fois que t'auras taxé la Castille. Oui, ça sert à l'argent des Espagnols. Et bah, avec la perte de Telcem, j'ai des ducats qui viennent plus. Une grosse arnaque. Parce que je comprends vraiment pas pourquoi Telcem m'ont lâché. Oula, mais c'est qu'ils vont être compliqués à défoncer tes 21 000 rebelles là. Par contre, Flandre. ouais, ils sont plutôt mal placés. Ils sont Perdu le plutôt en beau contrôleur de général. la foi. Ah, ouais, en plus. Vous repartez, la Castille Puis de est toute façon, j'ai faite. pas 21 000 troupes donc. Allez, on va aller Je me là-bas. dis qu'avec un peu de C'est de chance, la prairie, il faut la profiter. grande armée dans laquelle je suis va y aller. Ça y est, ça commence à abandonner. Ah, on va pas être en Aragon, ça veut dire que j'ai une chance Petit à petit, les pays abandonnent. du coup je stoppe ces 13 000 hommes en séparé.
Et pourtant j'en fais des guerres, je comprends vraiment pas pourquoi. Flandre, est-ce que j'ai un diplomate? Non, pas encore, j'en aurai bientôt un. Voilà, donc cette armée là. Voilà. Ouais, bah vache. Maintenant, j'ai mis du temps. L'armée de Geldre. Oh, j'ai gagné un territoire, quoi, je suis content. Faut que tu viennes par là chercher les troupes. Eh oui, qui reparche par là. Le faire revenir. Garbe, c'est fait. Prends la suivante. Ah, du coup, on a quand même les bonus en tant que protestant. On va aller là. Non, je ne taxe pas. Je veux le marchand en plus. Non. Je veux la science. Et la bataille au-dessus. Normalement, j'y suis à temps. Alors déjà, c'est ma quelle colonie qui s'est finie. Gabon, c'est celle-là. Donc mes flottes de transport. On a gagné cette bataille magnifique. Vous allez au Gabon. Ouais, ça c'est bien. Vous remontez par là. C'est une montagne, donc je vais pas attaquer pour l'instant. Flandre, il faut que je lui donne ses 300 ducats. Envoyer un cadeau, c'est où? Économie. Prochainement. C'est parfait, c'est déployé. Vous revenez ici me chercher ces mecs-là. J'occupe la montagne, c'est bon. J'espère que c'est lui qui va attaquer le premier, comme ça, ça va m'occuper. Un marchand en plus, est-ce que ça pourrait m'aider? Est-ce que je collecte déjà ici, je pense? Je pense qu'à Gênes, je collecte déjà, mais pas beaucoup. Pourtant, je contrôle ça, ça suffira pas, oui. J'ai des transferts de troupes de partout. Pas de transfert d'argent. Je pourrais faire grossir artificiellement ailleurs, sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'utilité. Ouais. Il va falloir que je mette mes troupes au repos pendant un petit moment, surtout. Eux, je les ai bien améliorés. C'est une montagne. Je vais me positionner chez moi. Vous, dans les navires, et vous débarquez à Barcelone. Dépensez sans compter. La science, je peux la prendre enfin. Je perds 8. Tu en sors là, Toscane? Ouais, je vais déclarer la guerre. Je pense qu'on va s'organiser une paix blanche entre nous là. De quoi? Il y a nos Mexiques qui se battent entre eux. Ah! Ah, je m'en mêle pas moi. Bah disons que le Mexique perdant va nous appeler toutefois au moi. Et qui c'est qui a arrangé dans ce cas là? Non mais vous avez fini de taper sur un pauvre Portugal faible et sans défense? On vous a jamais appris la charité? Moi je m'en fiche, je suis un pays faible et sans défense. Bah disons qu'en fait, en t'aidant, tu vois, contre l'Ottoman, j'ai plus perdu que gagné, donc T'as perdu quoi? Bah mon alliance avec lui déjà. Mais bon, ça va, je l'ai récupéré. Disons surtout j'ai rien gagné quoi. Je vais me débrouiller. Je vais te faire gagner quelque chose, tu vas voir. Et ça y est. Lituanie en union personnelle avec la Flandre. C'est sympa.
Lituanie est tombée en union personnelle avec toi, Flandre. C'est vrai. Oh mais non, mais c'est pas vrai. C'était pas le moment. Oh, ça va. Erden n'a plus d'armée. Voilà. Ah mais ça m'arrange pas. La Lituanie elle a pas récupéré un seul territoire côtier. Oh fuck. Ça, moins 10. Bavière. La République des deux nations est en train de perdre une guerre contre la Horde d'Or. De toute façon, elle a plus rien, donc c'est logique. Quand même que je rembourse ce foutu emprunt. Mais si on attaque la République des nations, les Lituanie pourra récupérer tous ses territoires. Il est vrai. Faire un don. On est en trêve, donc. Je peux pas vraiment attaquer la République des deux nations, à moins que la Poméranie commence à s'en c'est occuper. Un acompte. Shark a été déplacé depuis le salon Bankyo 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 par Bourride 15. Mmh. Je crois que quelqu'un a été déplacé. Oui, on m'a move. Il y a des rageux qui m'ont move. Et t'envoies dans l'autre salon en plus. Ok. Par contre, je préviens l'anglais. La prochaine guerre contre moi, ça sera fatal. Je prendrai la Hongrie. Ah! T'as vu? Tu refuses ton compte de parler avec le Portugal et du coup, lui qui te menace, tu lui fais juste un A? Bah, je m'attendais pas à ce qu'il me menace, ouais. Je menace pas, mais. Je suis assez déçu, quoi. Dans le salon non, Bancu, mais moi Bancu, je vais bien faire des accords avec toi, mais c'est pour que tu me déclares la guerre dès qu'on. Ah non, dès mais tu sais, hey, je ne voulais pas, hein, c'est juste que perdre 52 prestige, je ne pouvais pas me permettre. Bah, t'aurais pu accepter, mais ne pas intervenir. Ouais. T'as quand même envoyé quelques hommes vers mes hommes. Tu vas comme détruire une armée de 20 000 hommes. Ouais, mais j'ai compensé quand même en t'envoyant de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu ne pas t'envoyer quand même. C'est vrai. Oh putain, je peux plus les annexer du coup. Pff, ah le bordel que c'est. Ah, je suis dans la merde. Mais normalement, je vais la perdre en hein, l'UP avec la Lituanie en passant. Je suis à moins 51 de prestige. Ouais, tu t'es converti. Ouais. Refuser. Donc lui, je vais lui refiler ses 150 qui manquaient. Et voilà, le compte est bon. C'était pas 300? Bah t'as eu 2 fois 150. Ah excuse-moi, j'ai pas vu le premier versement. Toutes mes excuses. C'est bien, au moins je sais que le Portugal c'est un homme de parole. Ah mais je tiens toujours mes promesses. Quand j'ai dit que je coulerais la flotte ottomane, j'ai coulé la flotte ottomane. C'est vrai. Mais en même temps je peux pas faire autre chose. La Tuscan qui est partant pour une guerre contre le Mamelouk. Ouais. Là, tu commences à envoyer mes hommes. Je vais la commencer sans toi cette guerre. De toute façon, j'ai fini ma guerre. Okay. On va se finir dans un peu de temps. Une révolte chez les Caraïbes, c'est pas à moi ça de gérer ça, mec. Ça c'est indépendant, ça c'est déjà en cours. Je vais rappeler celui-là.
Hop, on part là-bas. Transporteur. Faut venir prendre cela. Ouais, j'ai encore une trêve avec eux. Faire ça. La Castille, il faut que je la continue aussi pour l'achever. Aragon. France, tout ça. C'est... L'anglais, Toscane, je peux compter sur vous dans une grosse guerre. Ouais, bien sûr. Contre qui ? Il y aura, je vais vous dire ça, la Perse, Hejaz et Taribistan. Tabaristan. Poméranie, tu veux Danzig toujours ? Elle est où mon armée du Brésil, d'ailleurs, du Mexique ? J'imagine que la question se pose pas. Oui, lui est arrivé là. Donc toi, il s'est grand temps que tu rejoignes ton truc d'horizon par là-bas. Et mon dernier conseiller, je sais toujours pas ce que je vais en faire. Madure, est-ce que j'aurai un casus belli contre lui? Non. Cantabri, la Manche. Oh punaise, franchement, faut pas aller en Inde, c'est effrayant. En Inde? Ah oui, là l'Inde elle est effrayante, elle fait peur. Ah j'avoue, oui. Ah ouais. C'est sympa. Alors. Qui peut prendre... perdre de la loyauté chez les bourgeois. Je fais monter les clercs et les nobles. Non, je vais baisser les nobles, c'est pas grave. Oh, c'était affreux, mais ça reste potable. D'ailleurs, je comprends pas, j'étais pas censé avoir une alliance avec l'Autriche ? Aucune idée. Hein. Yeah. Ah, comme elle était dans une grosse guerre, à mon avis, t'as dû la perdre à un moment ou à un autre. Ah merde, j'ai oublié de déqui. Pourquoi j'ai une alliance avec Tver, moi? Ok. Ce marchand, il me sert à rien actuellement. Enfin, quoi que si, je vais le prendre, allez, c'est réglé, hop. Je vais trouver une place. Toi, tu reviens bosser par là. Flandre. Ouais. Voudra quelque chose en France? Bah, si tu peux me filer la Bourgogne. Ah non, je sais ce que je veux. Fernando Po. Vu que la France l'a récupéré. En Afrique. Bah, ouais, ok. Ou plus près, si tu peux me donner
Qu'est-ce qu'elle avait? Non, j'ai pas envie d'être à côté du Portugal. Moi, je peux rejoindre la guerre aussi. Hein. Ça fait 20. Contre la France? Ouais. Juste que je fasse une revendication avant. Ok, bah allez-y, hein, faites vos revendications. Bon, j'ai eu quelques revendications. Toi, je te fais ça. Normalement, bah attends, j'ai 180 quand même. Ça coûte cher encore. Je gagne 30. Ah, oh, si, je prendrais plutôt que... Sierra Leone. C'est plus près, j'aurais moins de problèmes pour l'annexer. J'irai avec mes hommes, hein, t'inquiète pas. Ok. Ça, je le fais. Tac, compagnie. Compagnie. Oh punaise, il va falloir que je fasse ça, ça aussi, c'est vrai. Ça veut dire que j'ai. Itichi. Rappeler. D'accord. Ici, tac. Hop, je vais mettre comme ça mon téléphone. Où sont... non, attendez d'ailleurs. Vous revenez ici. Alors maintenant, j'ai deux marchands à placer, il faut que je les place. Et assez vite d'ailleurs. Rien à foutre des Cherokees personnellement, laissez-moi tranquille. Voilà, je vais en mettre. J'ai pas encore la portée coloniale, enfin la portée commerciale ici. Je vais prendre quoi dans la guerre, Ottoman? Je sais pas encore par contre. Je vais en mettre un là pour Est-ce l'instant. Que je vais donner siège. Ouais, c'est bon. Et je peux peut-être en placer un ici aussi, remarque. Voilà, bon, j'ai placé ça, ça ferait déjà un petit peu plus. Donc ça, c'est bien celui-là qui est fini. Tu t'occuperas des mecs qui arrivent à des frontières. Lesquels? Venez par là. Il y a 16 000 et puis 12 000 qui se trimballent. Ah oh, ouais, ça. J'ai envoyé une armée. Les bâtiments, je veux plus d'armées terrestres. Mais plus que vite. Parce que j'ai que 40 000 hommes et ça, je peux pas les résister. Je peux pas résister. S'il décide de me tuer, il me tue, ça le problème. Et vu la perte que je viens de me taper en Telsem, ça fait beaucoup, je trouve, à mon goût. Ça fait même trop. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre. Là, par contre, maintenant, j'y ai laissé une armée. Donc, je vais faire une nouvelle revendication. Pour info, Toscane, Naples n'a plus d'armée. Ouais, je sais. C'est toujours le même problème. Ouais, 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 je te le dis. Castille, je viens de détruire son armée. Castille, et ensuite, qu'est-ce que je peux revendiquer? Pas, hein. Pas vraiment. Dopo, Oyo, moins 42 du cas, c'est pas. On s'en fout. On prendra quoi, Toscane, si on attaque la France? Opinion avec la France. Dauphiné, je pense Dauphiné, je suis en train de falsifier une revendication. Je peux faire des revendications ici, c'est parfait, sauf à là. Je construis un bâtiment à Madrid, merde. C'est pas grave, ça va rentrer. J'occupe tout le commerce ici, c'est bon. Il faut qu'il y ait que dalle qui passe, c'est tout. De puissance militaire contre 100 et quelques. Ah oui, en fait, j'avais un. Faut que je voie mes chefs militaires, c'est ici. Et j'ai un chef de trop. Je vais virer le conquistador, je dirais, parce que le conquistador, il est moins bon. Je recherche une alliance pour m'aider à aller taper sur l'Autrichien. Qui est partant? Moi, je serai partant. Moi aussi. Tu sais que tu dois seulement avoir 15 fois l'armée de l'Autrichien? Ouais, mais j'ai besoin de faire une guerre éclair. Blitzkrieg. Alors, ces trois navires
de commerce, je vais les mettre sur gêne. Ton héritier est pourri autant. Ouais, salut. Ouais, il est pourri. Ouais, c'est vrai, par rapport au sujet de. 25-25, je commence à être pas mal. Donc il va falloir que je renforce un petit peu des provinces prairies. Et en plus, j'ai vu une caserne, donc bim, bim, bim. J'ai pas d'autre endroit où j'ai fait une caserne. Non, pas ici. Pas ici. J'ai pas d'autre bâtiment. Celui-là, c'est une terre aride. C'est bon aussi. 11. 34 000 hommes au maximum. C'est pourri, quoi, sincèrement. Comment je peux faire pour lutter, moi? Vous revenez à la maison. Toute mon armée, elle est là ou quoi? J'ai que 28 000 hommes sur le continent. Tous les mercenaires, je peux pas en faire. Ok, c'est cool. Tu vas repartir bosser. Vas-y. Célan. Je voudrais Célan pour voir. C'est là, j'attends toujours la possibilité de faire ça. Ouh, qu'est-ce que je dis, Tunis. Il y a l'Ottoman qui va se rapprocher de moi de manière très très dangereuse. Et je peux rien y faire, surtout que ça a bugué. Et de toute façon, même si ça avait pas bugué, sans l'anglais, j'étais mort. On va pas se mentir, sans l'anglais, j'avais aucune chance. Ça, c'est mon armée. Qu'est-ce qui manque? Sans hésiter, je veux des cavaliers. 3 cavaliers et une infanterie au minimum. J'ai 28 navires lourds. Comment ça se fait que j'ai si peu de navires lourds? J'en ai perdu des navires. C'est là. Galion 31. Ben ils sont où mes galions? Ils sont quand même pas partis se mettre dans une... Ah non, ils sont partis. Ils font le tour du monde, c'est vrai. Voilà, ça s'est lancé. Ok, je vais revendiquer de nouveau plus par là. Kelman. Nouvelle revendication ici. Ça va être sur Burgos. Et ça, une nouvelle revendication sur lui. Non, j'en ai aucune à faire. Tu vas faire l'appel. Quoi? Tu vas faire l'appel. Bientôt. Hein. J'ai chopé le fort là-bas. Ah, je prends pas la tête. J'ai à 67% du score de guerre. Ok, ok. Merci. Je vais faire partir quelques hommes. Je pense que 5000 devraient largement. Ou quoi que, non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai pas arrêté la guerre du tout. Alors, je vais partir 6000. J'ai vu que je peux attaquer à Hichaz et j'ai profité pour prendre les territoires. Il me faut pour mes missionnaires. Ok. Au boulot, les mecs. Je gagne toujours de l'argent, ça qui est pas mal. Au moins, j'ai des revenus qui commencent à devenir plus que bons. Investissons dans la marine ou dans la science. Coup diplomatique, toujours. Attendez, c'est moi ou j'ai aussi ma colonie a perdu. Attendez, mon Mexique a perdu. Tu crois, on va quand même arrêter cette guerre là, j'ai vraiment envie d'aller taper sur votre chemin. Tu veux qu'on arrête là? Ouais, oh là là, ça okay, me plaît pas du tout ça. Je vais attaquer la France. Hein. Appelle-moi. Ouais. English même. Hop. Moi, comme tant d'autres, je suis européen. Ouais, je sais.
Pour la France, hein, voilà. Je vais attendre. Toujours partant. Ouais, enfin, je peux pas récupérer ma champagne, quoi. Bois exotique, oui. Je vais finir de grossir ici parce que là, je trouve que c'est une injure ce qui m'est arrivé. Je crois que j'étais un peu trop gourmand là. Ouf. Il y a eu un vous. Pourquoi il y a eu un vous? Non, c'est pas ici le vous. J'ai eu une carte de victoire. Non, avec mon pays comme ça, j'ai déjà une carte de victoire. Vous, c'est pas quoi intervenir. La rétanie. Oh, facile. Il me faut. Mince. Il faut un morceau de bradan. Ah, ah, l'autre, c'est la Bourgogne. Bon, ben voilà. Parfait. J'ai obtenu un casus belli contre Malacca. What the fuck? Malacca. C'est loin. C'est très loin. Oui, oui, je sais. C'est quoi comme casus belli? Je sais pas, je regarde. C'est un conflit commercial. Non. Si, guerre commerciale. Tiens, t'as vu? N'importe quoi. On va prendre un petit point de stabilité. Colima, on va les laisser. On va remettre ça à fond. Il faut vraiment qu'on débloque beaucoup plus de commerce. Même si on débloque déjà beaucoup de commerce. Bâtiment. En février-mars, j'attaque France. Ok. Est-ce que je pourrais te demander un coup de main quand tu auras fini avec la France pour que j'unifie les Pays-Bas? Ouais, bien sûr. C'est des petits pays, ça devrait pas être trop compliqué. Mais c'est plus parce que je risque des révoltes et je pense que j'aurai besoin de quelqu'un dans mon dos pour s'en occuper. Ouais. Je t'en remercie. Colima, c'est fini. On prend tout. Ah, les doctrines de qualité. Je vais m'attaquer au creek maintenant. J'en ai rien à foutre de ça. Yabutu, c'est quoi tes projets? Qui ça? Toi. Bah déjà mes projets c'est de savoir comment je vais faire avec Telsem. Ah je crois que là c'est assez difficile maintenant. Bon après, vu que c'est un bug, Kyo il pourra te redonner le... Comment ? La vassalisation, je pense. T'as pas l'air d'apprécier. Non, j'aime pas modifier les gardes multi en soi. Parce que maintenant, pour l'instant, j'ai un peu oublié l'Afrique. Oh, c'est un avantage. Non, ça t'avantage non. Pas vraiment. Non. T'as quand même pas oublié de me casser les pieds avec les deux petites provinces qui m'entourent les miennes, quoi. Genre Gabon, Boni, quoi. Je voulais dire l'Afrique du Nord, il a oublié l'Afrique du Nord, pas l'Afrique du Sud. Ah, l'Afrique c'est vaste. Et l'Afrique centrale. C'est, franchement, c'est énorme, on n'imagine pas. Par contre, pourquoi tu voulais cette alliance? Parce que la Bohème, je viens de rompre une alliance avec moi, donc on sait jamais. Tu viendrais si j'attaque l'Autrichien? Oui, peut-être. Oui. Mais je vais attaquer la RDN là. Ça marche. Tu vas t'en sortir tout seul? Je sais pas. La Perse qui m'annonce son rival. Lol. Ouais, je pense pas que tu vas vraiment t'inquiéter. Hein. Elle est pas mal, la Perse, quand même. Ouais, ouais, elle est vraiment grosse. Mais bon, à la dernière guerre, ils avaient pas d'hommes. Ouais, elle s'est défoncée. Sans retard technologique. J'ai gagné quoi dans cette guerre? Bah, que je t'aide contre l'Autriche.
Ouais, ça m'intéresse pas. Tu me donnes des terrains, ça m'intéresse, mais... Ouais, bah, écoute, là. L'écoute de Crimée. Là aussi. Ensuite, nouvelle exploration. Allez, on va bosser en Asie. De toute façon, l'Arben, elle a une seule armée et elle vient de se faire battre par des rebelles, il me semble. Comme quoi, faut pas sous-estimer les rebelles. Au pire, j'aurais pu faire une alliance avec toi et la Lituanie serait venue t'aider. Je ne t'aurais demandé que un ou deux territoires pour la Lituanie. L'air de rien, elle est grosse la Lituanie. Ouais, mais elle est pas très puissante. Ah, mais c'est qu'on est déjà en septembre, faut que j'attaque la France. Bon, je l'attaque. Bah, c'est le ok. Pas grave. Rip l'hiver. Merde. Non, mais l'hiver en France, ça n'existe pas. Ah, si, si. Tu connais pas le réchauffement planétaire? Hiver, ça va, 3 mois. À cette époque de notre monde, ça n'existait pas le réchauffement climatique. Ça veut dire que les chevaux ça pollue. Les quoi? Les chevaux ça pollue. Et les vaches aussi. Et les cochons surtout. Voilà, donc abominable, franchement affreux. Mais oui, c'est clair. T'as 34 000 qui t'attendent. Ils aiment le Poitou. Oh oui. Ils aiment la sauce anglaise. J'ai pas tes territoires en Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'est vrai. Merci. tu me passeras quand même la Bourgogne, si possible. Ah ouais. Je vais aller tout de suite en Côte d'Ivoire. Tu n'iras pas de me passer la Champagne. Je le fais tout de suite, sinon je vais bouger. Par contre, il est excès militaire. On a beaucoup plus d'armées que lui. Ouais, non, mais si tu veux y aller tout seul, tu prendras comme tes précautions. Ouais, t'inquiète. Alors, ouais, t'as ramené toutes tes troupes au nord là, alors que je peux pas en même temps gérer ton siège de Bourgogne. Ouais, mais t'inquiète. Ça presse pas non plus, hein. Ta guerre, tu l'as pas fini. Ah, bah non, elle a commencé. Voilà. Il faut que je bute des rebelles. Ah mais on perd les sièges en France. Par contre, tu donneras 4 provinces à mon vassal. Les 4 que je suis en train de lui donner. Hein? Pas la qui en fait? Ah, la Poméranie. Putain, j'ai tellement de fric. J'ai pas accepté, merci. L'armée de la France, elle emploie tout. Tu peux quand même prendre les sièges, hein, du côté de Champagne-Lorraine. Ouais. C'est parce que j'étais en train de suivre mes bateaux, voir s'ils prennent pas trop d'attrition aussi loin. Cette attaque, anglais. Ouais. RIP. Le flamand, faut que t'ailles l'aider. Flandre. Ah bah c'est trop tard. Attaquez-le maintenant. Ah, je m'en doutais que c'était pas non plus si facile, hein, c'est la France. Ah ouais. C'est surtout à cause de la différence technologique. Alors, bonus de 20% au titre départ, ouais. Oui, aussi. C'est pas ça, vous allez violer. Ah, j'ai un bon général. Je le mets aussi, tu me diras.
Il remonte là. Je me demande si je viens pas rattaquer. Colonie, j'en suis à 3. Donc je vais en faire une nouvelle. Imbamé. Je commence à avoir des problèmes d'infanterie ici. Il va falloir que je renforce ça. Elle est à Minami. J'ai cru que j'avais un marchand à placer à un moment, je me suis trompé. Tac. Ah, on lui n'y est pas. Il n'y est pas encore. 31, si j'ai récupéré mon marchand. Alors cette fois-ci, je vais le caser où? Je suis attaqué par la France. Ouais. Je retraite ou... Ouais, retraite. Bah, j'ai pas eu le temps. Ici vers Bordeaux. Ah, plus de troupes. Je pense que l'attaque, mais on attaque pas. J'en vois quand même beaucoup à Gênes. Enfin, qu'à un moment, j'aille collecter un peu à Gênes aussi. Je vais commencer à le mettre ici. Je vais me reprendre un poteau, toi. La base. Putain, mais ils font chier. Phil, t'es fier et toi à ton vassal. C'est ce que j'ai fait, mais à chaque fois, tu le redonnes. Ce qu'il veut pas, tu le redonnes. Ah bah, c'est qu'il veut pas les prendre. Ouais, donnez-moi, je vais quand même lui forcer à les prendre. C'est pas facile, ça, aller tout de suite là-bas, c'est un peu loin. Toi, il faut que tu viennes ici, Mat Solo. Mais non, mais sauf que je peux pas. Chatera. Bah, je peux pas en fait, vu que tu peux pas le légitimer, je peux pas. Okay. Juste pour piquer leur argent, faut qu'ils aient... Alors tu lui donnes que ceux qui l'acceptent. Ouais, mais ouais, enfin, mais il l'accepte pas à l'issue non plus. Il en a accepté deux pour l'instant. Ouais, mais Alitch, il refuse. Je peux pas le faire. Il refuse, c'est pas grave. Ok. Cri qui sont attaqués au Showin. C'est eux, c'est pas grave, à l'attaque. Un petit baston là. Mes troupes ici. Elles... Merci. Je peux pas venir, de toute façon. On va continuer de retourner ouais, la Castille. Hein. Je peux même plus avoir de rivaux maintenant. Le seul rivaux qu'il me propose, c'est la Grande-Bretagne et Toscane. Ah, une petite revendication de plus ici. Il manque qu'il fasse appel. Kiloa. Non plus, j'ai tout revendiqué déjà ici. Ouais. Il y a moyen que tu fasses la paix, je dis. Ouais, attends. Parce qu'il va te reprendre les sièges là. Tu l'as pris ton île Ouais, j'ai pris les deux morceaux, mais si tu me laisses juste quelques jours, je peux prendre l'île aussi. La France, elle est en train de vous battre? Non. Ah, parce que je veux faire la paix comme si vous étiez pressé. Bah, c'est juste qu'elle va reprendre les sièges là. Là, elle va sur compte. Ouais, elle va sur le comptant, on peut encore attendre un peu. Moi, qu'on fasse un gangbang. Allez, la gangbang est dans les bois. Non, c'est prairie. Quand t'avais là ça. Ouais, c'est prairie, mais il y a un fleuve. C'est pas grave. Il y a des fleuves partout en France. Voilà, ça prend encore plus de temps. J'ai ma petite île. Ouais, peut-être pas de filet Bourgogne du coup. Ouais, bah c'est pas grave, déjà ça suffira. Guerre civile. Il reste combien d'hommes à la France? 26 000.
26 000, ah c'est beaucoup quand même encore. Ouais, puis il a un bon général. Donc là il est en train de reprendre les sièges au sud. Je vais faire ça avant qu'il reprenne le comtat. Ah si, attends, je peux même peut-être donner Bourgogne, attends. Putain, c'est quoi cette connerie? Je peux te donner, alors 4, je te donne 2... Dauphiné à toi. Ouais. 18, c'est pas mal. Mon île, je te la donne. 26, c'est même énorme. Et les deux territoires... Je peux pas, tu pourras pas la légitimer, ça marque. Ouais, mais justement, les deux autres, je peux les légitimer. Non, moi ça marque que c'est... tu peux pas. Française-Guinée, je peux pas. Non. 0,15, je peux le faire, ça fait un peu d'argent. Ah ouais. Bah écoute, tant pis. 21, allez. Alors attends... Un peu d'investissement. Voilà. Donc, ouais, je vais aller me péter cet armé qui est là-bas. Merci à vous. Pense encore. Merci à toi. J'ai pas fait grand chose. Ne sous-estime jamais ta venue. Ah oh bah j'ai le droit à une coalition en plus. Super. En gros, t'es dans la merde. Ah oh, ça va, si ça fait comme ils m'ont fait la dernière fois. C'est une coalition, oh, mais c'est toute petite. Ça va. Ouais. Ça dépend parce que entre la taille de la Flandre et la taille des Ottomans, il y a une petite différence. Là. Et du coup, ce qui est petit pour la Flandre ne l'est peut-être pas pour les Ottomans. Ta maison m'en soutient. Certes. Là, la coalition, elle se fait pas, toi et moi. Bon, bah, il faut que je trouve un moyen pour grossir encore un peu plus et après, j'irai partir dans une autre guerre. Tiens, j'ai 12 marchands. En fait, tiens. Tu sais quoi ? Mmh. T'as pris Fernando Po. Ouais. Mais t'aurais pu la prendre vu qu'elle était pas finie de coloniser. T'aurais pu non, la prendre je directement. Pouvais pas, elle était hors. Ouais, t'aurais pu. Emportée. T'aurais pu non plus légitimer. C'est pour ça que ça m'étonnait que Ifada et Sierra Leone, je pouvais pas. Bah, ils sont de côté loin, ouais. T'as pas la doctrine d'exploration aussi? Si. Mais elle est pas encore en 3. Ouais. Marchand suivant. Je peux commencer à le mettre ici? Toujours pas? Mais j'ai quand même 475 de portée, c'est pour ça, ça m'étonne. Oh, tant pis. Oh, punaise. Comment ça se fait que j'ai pas la portée là-bas encore? Ça sera pour la prochaine. C'est pédale déjà, là, on prend tout. L'Ottoman commence à être pauvre. Si quelqu'un veut lui envoyer un peu d'argent. Pauvre, je ne connaissais pas ça de ta bouche. Ouais. Pas disponible. J'envoie un peu plus d'argent à Gênes. Bon, en fait, j'ai tous mes nouveaux bateaux, ils me coûtent super cher. Je vais pas t'envoyer tout de suite. Parce que maintenant, j'arrive à rivaliser avec la flotte portugaise. Ah ouais, pas mal la flotte. Ouais. Ouais, ça m'a servi de son la dernière fois. C'est bien le portugais, ça, mon professeur. Ouais, t'as... à peu près, on va dire. Je pense que mes navires lourds battent encore tes galères. Ouais, oui, c'est vrai. C'est multiplié par deux, donc... en Méditerranée... c'est quand même mal. Et comme je compte pas quitter la Méditerranée, ça le forme. Moi, pour ma défense, je dirais que si. Je compte la quitter. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, c'est pas mon avenir. Il y a quelqu'un qui me veut du mal dedans. Ça dépend pourquoi. Tu sais, je crois qu'en Amérique, il y a aussi quelqu'un qui veut du mal. Moi, je veux pas du mal au Portugal, tant qu'il reste loin de l'Afrique du Nord. Ah, tu provoques un peu aussi. J'ai rien fait de méchant depuis au moins 20 ans.
Oula, par contre, la Sichi, ça va pas le faire, la Sichi. Voilà, ouais, va te trouver un nouveau copain. Putain, en guerre contre l'Autriche, what the fuck. Ouais, c'est moi qui l'ai déclaré. Les meubles sont en loyauté. Ouais, sauf que la bohème rentre, donc c'est un peu dead, là. Non. Oh, c'est mon rival. Ah bah non, c'est plus mon rival. On va faire ça. Ok, donc les Shinconeries c'est bientôt fini pour eux. Ouais, ouais, du coup, je peux pas attaquer les... Oh, fuck. Je peux pas faire comme on avait dit. Ah oui, non, ils ont aucune troupe en fait, la bohème. T'as toujours besoin de fric, autrement, ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Parce que j'ai un seul mandat arrondi, pas mal de libre, en fait. Je faisais des revendications. De mouillage. Ah ouais. Il est gentil, vrai. Mais bon, je pense que je gagne plus quand même d'argent que toi. Ouais, c'est sûr, vu que je suis dans le négatif. Tout à fait, je suis d'accord. Goa, c'est à moi. Je vais m'amuser un peu avec ma flotte, hein, au moins qu'elle tiendra quelque chose. 13 000 qui t'attendent. Ouais, avec plus de 80 000 galères. On va convertir ça. Si tu pouvais relâcher les trois pays, ça serait pas mal. Mercantilisme en plus. Ouais, tant que j'y vienne. De toute façon, c'était trop loin. Ouais, je dois pas avoir la portée de toute manière. Je gagne combien? 36. Je pense que je vais maintenir ma flotte active maintenant. Combien je gagne? Toujours 20. C'est très bien. Je vais laisser ma flotte en opération. Parce que j'ai pas confiance. Tu t'en sors avec la bohème ou pas? Non, j'ai vu aucune de. Alors trop pour l'instant. Là c'est très bien. Prendre Bamani, je peux pas attaquer Bamani. Et je peux. Ah si je peux m'adurer qui sont assez lents. C'est vrai que t'as du mal à tenir tes navires, le Portos. Tu as tous mis en réserve. J'ai du mal à faire quoi? À tenir tes navires lourds. Oh non, c'est que je faisais des économies un petit peu. Ah ouais, j'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure, je suis bête, j'ai même pas pensé à faire ça. Tac, tac, tac. L'Autriche, elle fait pas du tout le poids là, l'Autriche. On va répéter. Ça, c'est fait. Merde, je crois que c'était un niveau 2 qui est mort, c'est pas grave, je peux reprendre un niveau 1. Alors, par les Cherokees, c'est avec les Shawnee que je vais négocier. Je veux juste votre argent, sauf que vous voulez pas. Bon bah c'est pas grave, on l'aura quand même. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai pas revendiqué encore? Ok, moi j'ai tout revendiqué de toute manière, sauf ces deux du bas. C'était pas le bon message où j'ai fait ok. Et la France aussi. J'ai pas fait de revendiques. Si je les ai tous, de toute façon je vais faire la guerre à la France. Il va falloir que j'y aille un jour, c'est tout. Donc je vais faire la paix avec les Shawnee. Pour leur piquer des sous. Leur enlever leurs alliances. La réparation de guerre, c'est fait. Mais en fait, il y a Bois, mais il est pas venu dans la guerre. Ah non, il est pas venu. Hein. Tac, tac, tac. Plus des sous. Et abandonner des revendications chez moi, c'est réglé. Voilà. Attends, il va falloir que j'aille au niveau des Pueblos. Les nappes. C'est où les nappes? Refuser. Ah bah oui, c'est eux les nappes. Bah on y va. Voilà, tu vas voir les nappes. Mes navires sont opérationnels et je vais les laisser opérationnels en cas d'une guerre. Trop de risques.
J'ai pas le temps de devoir les lever au cas où. Vous, vous allez aller bosser sur Gênes. Parce qu'il faut vraiment que je prenne plus de pognon sur Gênes. Eux, ils m'aiment pas assez. C'est pas pratique du tout qu'ils m'aiment pas. Tac, 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 fait vraiment déjà un bon paquet de transferts. Conclusion, je sais plus où mettre mes mecs. Mais je vais la porter ici. Ah, ça y est, je l'ai atteint. Hop, transfert. Goa. Avec Goa, il va y avoir un problème là, je pense. Donc je vais faire ça. Et je les mets en compagnie. Comme ça, ils vont me saouler encore moins. Ici, il faut que je commence ma nouvelle compagnie. Putain, mon roi est déjà mort. Oh. La France, en fait la France j'aurais bien voulu les attaquer mais en fait je me sens pas chaud. Eux, il faut absolument que j'arrive à les annexer. Sinon je suis dans le caca. 50 000, j'ai toujours une grosse lot de guerre qui est ici, d'ailleurs faudrait que je l'améliore. Putain, il faut tellement de thunes pour l'améliorer. Ça, c'est parti, ça c'est en cours. L'Angleterre, toujours pas de débarquement ici, non. Donc ma durée, il faut que je les revendique. Il faut que je débarque en Inde. La trêve, c'est bientôt fini, donc je vais bientôt les achever. Une nouvelle flotte d'or, je peux payer mon crédit. Je peux pas relâcher la suite, c'est trop gros. Ok, pas grave. Allez, fonce, mec, j'attends. Par contre, la Lorraine, je pourrais. Ah non, c'est juste un seul territoire. Oh, moi, ça m'arrange. Hein. Ah bah non, j'ai une quoi. Pardon. Eh bah non. Ok, hop. Est-ce que tu peux m'explorer autre chose, le Pacifique Nord-Est? Je fais la paix. Ok. Ma flotte, elle est ici. Via... Des esclaves. Non. Pas. Par contre, maintenant j'ai fini mes conquêtes sur l'Europe. Avec Grand Sud, maintenant. Ouais, par contre, tu risques de prendre des quoi? Qui? Bah, toi? Non. Après, c'est sûr que tu feras le poids contre eux, mais je pense que tu vas peut-être te prendre quoi, je sais pas. Bon, une petite quoi, genre RDN, Autriche. RDN, Autriche, Venise. Ouais, des petits pays quoi. Colonial, ouais, c'est où? Ouais, des petits pays. Donc c'est bon, c'est aussi à moi. C'est un temps où ils étaient gros. Prenons ça. À l'attaque. Et merde. Ils se sont occidentalisés, les Vauriens. Et je les voyais pas pourtant, c'est dommage. Donc du coup, cette armée, il va falloir que je vienne la chercher. Les 18. Une guerre civile où tu veux. Guerre civile en Poméranie, j'ai bien lu? Oui, je crois. Ah. Je suis pas sûr. Est-ce que tes paysans se lèvent et t'attaquent? Ah, je pense qu'il y a des... Il y a des rayures noires sur son territoire. Est-ce qu'il y a, ah ouais. Est-ce qu'il y a des messieurs qui crient on a faim? Oui, il y en a. Par contre, quand je désactive ma flotte, je gagne quand même 12 UK de plus. Agitation dans le pays. Ah, si seulement j'avais de l'argent. Je vais faire l'attaque à la Castille pour être tranquille. Commercialement parlant, je fais combien?
Commercialement parlant, je fais 42, et donc beaucoup à Séville. Comment ça, je peux plus revendiquer Tolède? Et ta sœur? Pardon, du prestige. Et je vais... j'arrive qu'à Mumble 5 minutes. Ok, ça marche. La Lituanie est plus dans le mariage royal avec toi. Ouais, bon, de toute façon, c'était sûr. Hein. J'avais pas de prestige comme j'avais changé de religion. T'as mieux retiré la série avec moi, Tony. Ça marche. Le premier mail ouvert que je vais être pas beaucoup, je vais pas commenter pour l'instant, vu que je vais être au téléphone pendant quelques minutes. Ouais, encore une plus grande coalition. C'est le temps qui grossit et c'est sur moi qu'on se coalise. Ah, c'est normal. D'ailleurs, hein, l'Ottoman, si tu cherches un nouveau copain, est gratuit. Ouais, mais j'ai déjà beaucoup trop de relations. Ouais, hein. Je vois ça. Tu comptes pas envahir le Oldenburg tout de suite, premier ami? Pas tout de suite, non. Ouais, je vais le garder comme copain en attendant. Alors. T'as un gros copain. Hein. C'est vrai, mais je sais pas si t'es assez fort pour affronter toute la cour. Surtout que je vais rentrer en guerre civile anglaise. Hein. Ouais, comme ça on rentre tous en guerre civile, c'est cool. Ah, je suis que deuxième nation, deuxième plus grosse nation. Qui est la première? C'est l'Indien, ça. À tous les coups, c'est la Grande-Bretagne. Non, je suis quatrième, moi. Oh, t'es loin. Mais j'ai pas les quarts de victoire, moi. Ok, j'ai 3000 points en moi, quoi. Ah, moi, je suis pas prêt de l'avoir. Je suis Rola. Ouais. Ouais. Dis-moi, en classement mondial, t'es combien? Qui ça? Damzou. Troisième. Le premier, c'est toi ou c'est l'Angleterre? Non, aucun des deux. Moi, je suis juste deuxième. Moi, je suis juste après toi, parce que t'as une carte de victoire. C'est vrai? Et... Oh, punaise, je suis un beau gosse, quoi. Même sans le vouloir, je suis bien classé. Ouais, ça doit être un Indien qui est le premier. Ouais, c'est sûrement le Bahamani, alors là. Ça ouais, m'étonnerait contre, même pas. Non, ça doit être le Ming. Regardez comme il est impressionnant, là. Il a même pas cassé, regardez comme il a bossé. C'est le Ming. Ming et Corée sont jolis. Ouais, mais le problème du Ming, c'est que c'est des armées en bois. Vous avez combien de points? 2782. 3200. C'est le Bahamani. Il en a 3367.
Ouais, je t'ai dit, il a 3000 points grâce aux cartes de victoire. Moi, je suis pas prêt de les compléter, j'en ai une, faut que j'attaque la Toscane pour l'avoir. Bah, si, mais moi, il manque 2-3 provinces et j'ai les deux. Pareil. La deuxième, je m'attaque bientôt. Ah. Je repasserai devant toi, t'inquiète. Ouh, la France, j'attaquerai bien avec ces 35 000 particularistes là. Tu veux attaquer les particularistes ou la France? Non, mais j'attaquerai bien parce qu'elle a ses particularistes. Ouais, bien à côté, elle a une grosse armée. Ouais, bon. Oh, comme on les défonce. Ah, ils perdent quand même, hein. Pas mal. Ouais, ils commencent à perdre là. Au début, ils ont des putains de dégâts. Faut juste que je réussisse à intégrer la Catalogne. Allez. Avance, ma petite Catalogne, avance. Navarre. Eh ben, je vais revendiquer Navarre. Donc, c'est bon, j'ai fait Burgos. Je vais débarquer ici. Après, je vais attaquer un petit peu Sofala. Ça c'est bon, je tombe dessus à temps. Eux, ils sont toujours pas contents. Je peux rien faire pour les améliorer. Convoquer l'assemblée, voilà. Convoquer l'assemblée, c'est fait. Eux, je peux rien exiger une contribution 600 ducats. Je préférais les points diplomatiques. Sincèrement. Faire ça et je vais accorder ça. Quelle agressivité! C'est qui est agressif? Non, mon Mexique qui attaque toujours le Mexique portugais. Ah, moi je l'encourage. Mais j'avoue, il dure longtemps cette guerre. Ah, c'est une de la deuxième là. Il n'y a aucun de vous deux qui intervient. Non. Et non, ça supposerait qu'il faudrait qu'ils rentrent en guerre tous les deux. J'avais même pas fait gaffe qu'elle avait fini la première. Si, il a gagné. Enfin, la mienne a gagné. Ah, c'est pas retenu, hein. Bah c'est bizarre, je le voyais pas si boulet que ça mon Mexique pourtant. Je croyais qu'il était plus gros que le sien. Bah, t'as pourtant plus de provinces riches. Enfin, il a plus de provinces riches. Je crois qu'il a une bonne capitale. Hein. Il a pas intérêt de perdre. Hein. D'où tu donnes tes ordres à ton Mexique aussi, hein? S'il perd, ah si non. Il veut. S'il déclare la guerre, ok, mais il a pas intérêt de perdre. Hein. Moi je te dis, il rêve de perdre. Je vais aller les chercher moi-même les provinces, sinon.
Qu'est-ce que t'as fait sur ma blouse avec moi? Continue de lui faire des dons, mais je comprends pas sincèrement comment il peut... J'ai l'impression que frapper du mamelouk ça intéresse personne. Moi j'ai rien à foutre. Mais... Bah attendez pas à ce que tu demandes de l'aide, ouais. En fait. Ouais, tu peux le gérer tout seul là. Ah ouais, je gagne déjà à 60%, mais pour que tu ailles plus vite, c'est tout. Ouais, tu divises tes armées. Ouais, c'est ce que je fais. Mais... Là tu prends, regarde, en plus avec ta flotte là t'aurais pu défoncer ses navires, en fait tu les as laissés s'échapper là. Non, en fait ma flotte je suis en train de la remettre, je viens d'enlever de... Comment ça s'appelle? Ah ouais, est-ce que tu les avais mis en... Ah, désarmé, là le temps que ça réussit. Oh putain la bataille. Okay. Allez les mecs, vous pouvez le faire. Benguela, si Benguela c'est... Et moi aussi je peux le faire. Hein. Toi aussi tu peux faire quoi? Je peux soutenir ma colonie avec des dons. Bah c'est que je comprends pas ce qu'elle fait avec si peu d'hommes. Donc je l'encourage un tout petit peu. Ça ressemble un peu à la guerre froide tout ça. Sachant qu'il y en a un qui a pris Cuba. Bah tu vois, je m'attendais plus que Cuba attaque l'île des Caraïbes Portos. Ah non, mais là par contre, mon Caraïbe, il est beaucoup plus puissant que le tien. Ouais, c'est sûr même. Caraïbes. Ah oui, là, toi tu possèdes des gros territoires, mais ils sont pauvres. Les plus riches, c'est les premières îles que j'ai prises. Ouais, je sais. C'est pour ça que c'est les premières que t'as prises. Non, c'est les premières à porter. C'est le plus près. Ok. J'aimerais bien dire que j'étais fin technicien à ce point-là, mais je peux pas. C'est eux qui m'ont obligé. Donne-moi des sous, toi, vite, très vite, là, il faut des sous. Bon, il va falloir que je fasse une expansion là-bas, parce que là, je comprends pas comment mon Mexique peut être si faible. La faiblesse de mon Mexique m'effraie. Au passage, je peux peut-être signer la paix, déjà. Ah merde, j'avais pas vu. Prions. Je vais envoyer encore un don à 500 là. Une grenade. Toscane, tu peux envoyer 20 000 hommes sur Vienne, s'il te plaît, le temps que mes armées reviennent de l'autre bout du royaume, c'est bon. Alors le Turc, il pourrait se convertir au protestantisme, non? M'incitez pas, moi, à vous convertir dans une hérésie. Sinon, je serais obligé de faire une guerre simple. Mais tu laisses les rebelles t'envahir. Ménabé. Ah, c'est pas possible, j'ai pas accès à ça aussi.
toi, il faut que tu retournes tout de suite là-bas, c'est urgent. Allez, bosser dur sur ça déjà. Je comprends pas, là-bas ça se passe comment? Ça y est, j'ai enfin Alexandrie. C'est bon là pour Vienne Je sais pas si mes hommes sont arrivés ou pas. Parce qu'il y a tes. Tanger, Sota. Ah ouais, c'est bon. Ah non. Ah voilà. N'oublie pas de mettre un général là, tu fonces en général. Ils sont déjà ailleurs. Les navires, est-ce qu'ils ont vu bouger? Oui, mes navires sont déjà en mouvement, donc ça c'est bon. Là, j'ai tout occupé, je suis même en train de tout libérer. Donc sincèrement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il ferait durer. Ouida, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est rien passé à Ouida, oui. J'ai eu peur. Dans les navires, du coup tu viens tout de suite là. Qui c'est qui gagne la guerre pour l'instant? Ils perdent. Faire un don, continue de les bombarder de thunes. Mat solo. Et eh bien du coup tu vas commencer à te mettre par là. Mes deux colons sont déjà en train de voyager. Le prochain il va être ici prochainement, c'est sûr. Celui-là je l'ai toujours pas en vue, c'est pas normal. Débarque ici. Va chercher là-bas, c'est qui ça? C'est un séparatiste Gujarati. J'ai toujours pas la portée de toute façon pour lui. Philippe Desmélo. Ouais. Quatorze mille hommes. Les bourgeois gagnent en loyauté. Loyauté des bourgeois, on en a combien? Ouais, c'est bon. Très bien. Attends, c'est quoi ça? Et eh ben autant gagner en loyauté, c'est con. Payer. Ok. Première paie. Plus leur thune. Ouais. Vous dans les navires. Faut que vous me débarquiez à Goa. Putain, Bamani, ils vont me faire peur, c'est foiré. Oui, là c'est pas bon du tout, là on se casse. Pourquoi est-ce que eux ils me sont tombés dessus, ces enfoirés? Ouais, tiens, je vais te donner l'accès militaire. Moi, je vais me sauver pendant tranquillement très loin. J'ai pas envie de me battre contre eux. Faire un don, on est reparti pour leur redonner 400. Ça, c'est les batailles, mais ça peut s'arranger. Bavière, t'as pas envie de sortir de la guerre par hasard? Attendez, mais c'est la Catalogne qui est là-haut. Ouais, la Catalogne s'éclate. Ben tiens, toi, tu... Ouais, je vais me calmer un moment, là.
Natal, j'ai quelqu'un. Oui, j'ai des hommes en Natal. Toi, tu peux retourner là-haut. Viens me chercher des renforts. Ah tiens, lui, je l'avais découvert entre-temps, mince. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais fait un peu plus attention. Je vais signer la paix maintenant. Bon, vous voulez faire durer, faisons durer, ça me gêne pas. L'objectif a censé Aragon et Aragon, je l'ai. Kumasumi, c'est qui Kumasumi? Non, ils auront la demande. C'est très bien. Oh, joli la Prusse. GG. Si. Oh punaise, ça y est. La plus grande puissance militaire est créée. Oh, bien joué, ouais. Enfin, je venais ici. Deux, trois et quatre. Faire un don. 200. Combien? 36. Aïe aïe aïe, je sens qu'ils vont se faire défoncer. Oh putain, je commence à avoir un... L'Angleterre, t'as bientôt annexé ou pas à l'Hongrie? Non. Tu as bientôt commencé? On commencera en 6612. Toi, tu pars direction... ouais, c'est 33 ans et quelques d'avance, donc je vais faire autre chose. Comme d'hab que je trouve un endroit où je peux en mettre. Bavière. Refuser. Donc Bavière, tu vas me donner tous tes sous parce que tu n'existes plus déjà, il faut que tu le saches. Réparation de guerre. Et on a encore le droit à 30. Ça va signer par une paix blanche au Mexique. Bah tant mieux. Tout se sent versé pour rien. Oh, c'est que dalle encore. C'est que des esclaves. Non, c'est des Anglais. Oh. C'est des esclaves anglais. Ah, changement de roi. Je pense que là, la Castille va accepter de signer une paix un peu plus honorable. Ça fait déjà 100, ça. Ouais, bah ok, envoyez. Tiens, j'ai déjà mon héritier. Pause, s'il te plaît, pause. Merci, j'ai fait une petite boulette à 30 secondes. Option Catalogne. Accorder une province. J'ai raté. Accorder une province. Tuerel. Moi, ça me met à combien là? Ça me met à 117 toujours. Que Quensa aussi. Fais retourner le jeu, s'il te plaît.
De quoi? Remets le jeu en fonction, il faut que je regarde le changement. Ah, remets en pause 30 secondes. C'était pas suffisant. Rip. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la Catalogne à Grosski. Il y a un truc que j'ai pas tenu compte. Ce sera Tolède. C'est le temps d'annexation. Voilà, merci, là c'est bon. En fait, oui, pendant la pause, j'ai poussé l'accélération. Du coup, j'ai annexé directement. Merci la pause. Alors du coup là ça m'a retardé ça un truc de fou. 1630, 20 ans de plus. Ici j'ai quand même 14 000 hommes et ça suffit pas. Ben au moins ils sont morts, c'est réglé. Ça c'est en cours. Des sciences dans quelques... Pour ceux qui ont les moyens, il y a les mercenaires ottomans qui sont disponibles. Quand tu dis les moyens, est-ce que 20 ducats c'est suffisant pour payer tes mercenaires? 20 ducats, ça paye même pas la maintenance de ma place. 20. Pour venir. 20. J'ai un peu plus correct quand même. Disons que j'ai une coalition qui m'embête. Bon. Et que je voudrais l'attaquer. Si tu veux, moi je vais être royal, je te paye 25. Oui. Je suis désolé, je suis pas une grande puissance. Par contre, faut pas oublier, vous pouvez me payer plus à la fin de la guerre. Vous n'êtes pas obligé de payer avant la guerre. Ouais, mais... que ce soit le début ou la fin, on est toujours aussi pauvres. Oh, si vous prenez moins de territoire, plus de réparations de guerre, ça devrait aller. Hein. Mais on attaque des pauvres aussi. Enfin non, moi j'attaque pas des pauvres. On va dire en vitesse 2 par contre. C'est bon, c'est en vitesse 2. Alors c'est bien pratique quand même, 180 000 ottomans. Je vois financer le Mexique depuis je sais pas combien de temps. Mais parce que je suis désespéré de les voir avec 10 000 hommes. Et avec, c'est à peu près, je sais pas, 1200 ducats que t'as donné, ils ont toujours pas plus? Bah non, la seule chose qu'ils ont fait, ils ont acheté des bateaux. Ça va les aider pour gagner la guerre. Non mais sincèrement, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté des putains de bateaux? Et Cog, ouais. Tu vois, ils vont directement débarquer en Angleterre. Ah, peut-être. Et à toucher à la Royal Navy. Bon, tu me laisses 10 minutes le temps de trouver un super nom pour la flotte en portugais et je te réponds. Vas-y. La Royal Portos. Ou les murs flottants. Oh, tu rigoles, mais les Portugais avaient des bons navires à l'époque. Ouais, c'est pas la Royal Navy non plus. Non, mais ça sortait pas trop mal. Bah oui, pour l'époque, c'était comme l'Angleterre, ouais. C'est la même chose. Mais il me semble que la flotte ottomane était meilleure. Ouais, les galères, surtout beaucoup plus nombreuses. Ouais. Jusqu'à... Enfin, je sais plus quelle bataille, là. Ouais, ouais parle... voilà, il y a une bataille qui a changé. Bataille, ouais. Les Ottomans, ouais. On les a pas trouvés en Amérique. Hein. Bon, on les verra peut-être pas non plus en Amérique. Hein. Ah, si vous voulez, je peux arranger ça. J'attaque le Portugais, j'ai plus que des colonies. Pourquoi tout le monde en veut au Portugais? Je ne sais pas. Moi, je n'en veux pas particulièrement. Maintenant, que surtout s'il vient plus en Afrique, il sera tranquille. C'est pas moi qui vais les déloger. Hein. Par contre, il ne faut plus venir en Afrique du Nord.
Il y a l'Afrique du Sud et toute la partie africaine qu'il faut coloniser, je laisse tranquille. Oh, j'avais pas vu, ouais, l'Afrique du Sud, effectivement, le portugais était déjà présent, ouais. Oh ouais. Oh l'enfoiré. Oh fu. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi il avait un conflit commercial contre Malacca. Ah non, je suis quand même encore très loin de Malacca. Ah par contre, ah si, j'ai oublié de dire. J'ai dit que je tapais plus le portugais, mais je me suis trompé en fait. Parce que c'est venu du côté d'Afrique et que je voulais garder pour moi. Le côté où il y a toutes les mines d'or et tout, tous les voir, je vais garder. Moi je prends le cap. Hein. Ah, je vous laisse vous débrouiller, mais Kilwa, je le voulais. Ce qui m'étonne, c'est que t'as, pas... ouais. T'as même pas colonisé le cap alors que c'est la province la plus riche. Quoi. Ouais, puis c'est plus facile à coloniser. Je sais pas du tout c'est qui les plus riches ici. Moi je me suis juste mis à portée pour tenter une opération en Asie. Mais quand j'ai vu Bamani, j'ai pleuré. Sincèrement, comment je suis censé attaquer Bamani là? Oh, surtout qu'elle est alliée à la Perse, Yarkland, que les petits morceaux d'ici quoi. Non mais je suis sûr qu'il a 5 fois plus de troupes que moi. Après, s'ils se battent avec des bâtons. Ouais, on a fait des flèches avec la contre la peau d'un canon, ouais. Bah, je suis sûr que malgré ça, il reste plus fort que moi. C'est du nombre, c'est de la chair à canon. Mais vous rigolez, mais en nombre d'hommes, ils en ont pas tant que ça. Il a que deux doctrines, hein, ouais. Mais en nombre d'hommes, c'est Deli qui en a plus que lui. C'est quoi ces révolutionnaires? 40 000 Syriens. Là, ils plaisantent pas les Syriens. Non. Damzou, garde ton argent, ça sert à rien là. Je pense qu'ils en font qu'à leur tête. Hein. Ah, ils continuent de financer. Il est au moins devenu, je sais pas, presque 2000 ducats quoi. Non, mais un jour, ils vont acheter des mercenaires. T'as rien donné, moi. Si, peut-être 200. Moi, je veux bien les 2000 ducats. Ouais, moi aussi. Bon, putain, j'ai aussi un très bon réseau commercial. Ouais, ah, tu m'étonnes. Toi, je pensais pas du tout que t'étais déjà arrivé au cap. Hein. Mais je l'ai même dépassé. Oui, je sais, mais bon, ça m'a étonné, quoi. En même temps, c'est pour te rassurer, je suis pas allé bien loin. Dis-moi, t'as commencé à attaquer Kilwa ou pas? J'ai attaqué Sofala. C'était pas Kilwa. Ouais, c'est pareil, il y avait une mine d'or ou des ivoires. Non, il y avait. Ah si, il y avait une mine d'or. Oh, il a tout le monomotapa quoi. Ouais, ça a posé problème. Ouais, tu l'es pas encore. Ouais, en même temps, tu sais, entre toi et Kilwa, il y a un petit peu 10 pays, je crois. C'est vrai, mais. Que tu me les revendes. Tu exiges que je te les revende? Non, je te propose. C'est pas exigé. T'aurais dû exiger. On a que foutre la merde. L'Ottoman est civilisé quand même. C'est qui veut foutre la merde? Ah, il ferme ses gueules maintenant là. c'est celui qui a le moins de puissance. qui ouais, parle. Qui, ah, ce serait pas celui qui a une coalition contre lui? Si! Si! Il attend que tu la rejoignes en plus. Ah, t'as pas assez de. Fais de la pub pour qu'on la rejoigne en fait. Elle tourne des coups pourris. Nous paye sur l'argent? Moi, bah. Financement, hein, je peux vous payer. Ça va, j'ai du pognon. Hein. Ah, la Prusse, tu peux pas la rejoindre en plus. T'as pas assez d'expansion. Enfin, j'ai pas assez d'expansion agressive sur toi. Non, en effet. T'inquiète, ça va arriver. Ah, vous êtes rivaux, c'est vrai. Bah, moi je l'ai enlevé la rivalité, mais la Prusse, non. Ouais, du coup, j'ai ouais. Peur. Parce que ton IA m'a mis en rival, donc. Par contre, Toscane, t'as besoin d'aide ou pas? Enfin, je vois que t'as pas perdu une province. Si j'ai perdu une province, tout le monde. Ouais. À côté de Naples, t'en avais pas deux? Nope. J'avais que celle-là.
Et c'est quand tu fais de nappe? Déjà je m'occupe de Venise et puis la Savoie. Après je vais sur Naples. Ça va. Parce que ça aurait temps que tu passes l'Italie. Après tu peux rejoindre la guerre si tu veux pour prendre Négropont et puis Naxos. Si tu veux, mais moi je vais pas tout de suite. Ok. Est-ce qu'ils ont encore une petite flotte, ça peut toujours faire peur. Ah bah au boulot, tombe bien là. Ouais. Tu vois, à force d'insister, devine ils ont combien d'hommes les Portugais là? 20. Combien de... 10, ils ont été montés à 17 000 aussi. Ah ouais? Mais bon, il me semble qu'ils viennent de perdre un territoire. Non, paix blanche, je crois, non. Je l'ai pas vu s'afficher. Mais la guerre est finie en tout cas. Ouais, je vois. Il me semble qu'ils ont perdu un territoire, les miens. Tu crois? Je suis pas sûr. Hein. Je crois pas non plus. Hein. Si, ah, attends. Il me semble que non. TP à Pakala, tu viens de le prendre. Et. Bah oh. Non, parce qu'elle est déjà légitime. Donc c'est ouais, elle est déjà corée. Non, pour moi, ça c'est une paix blanche. Hein. Bah t'as vu, hein, donner des ducats, ça a fonctionné. Ouais, paix blanche. Surtout que maintenant, ils doivent leur rester 1500 ducats, ils vont pouvoir bien grossir là. Par contre, c'est quand même incroyable, j'ai tout à fond, sauf ma flotte, je gagne quand même 51 pièces par mois. C'est pas une petite armée que j'entretiens quand même. J'ai aussi énormément de force. T'inquiète pas, la pauvreté, ça nous touche tous un jour. Il y en a que ça quitte pas. Malheureusement. Je lance des missions d'exploration dans le Pacifique, 10 ans par mission. Le Pacifique, c'est pas fait pour être exploré. On va voir comment on va faire un petit peu. Moi je vais aller voir les finances papales, guerre civile. La RDN elle s'en remettra jamais. Je crois que la Lituanie a bien grandi. Dommage que t'aies plus lupé. Hein. Ouais, mais j'ai toujours pas un prestige positif donc. Puis c'est pas avec des pop-up comme je viens d'avoir. Hein. Mais quelle idée de te convertir alors que t'avais la Lituanie? Mais je l'avais pas encore, les Lituanie. Je l'ai eu quand j'étais converti. Bah, quelle idée quand même! Écoute, le protestantisme, c'est la force. À part protester, ils font quoi? Écoute, ils peuvent détruire le pape. Voilà, sans malus. C'est puissant. Ça me plaît.
12. C'est qui a donné Naples à Ferra? Naples, t'es sûr de ce que tu dis? Non, pas Naples. T'as dit Naples. Venise, je veux dire. Qui a donné Venise c'est à. C'est qui a bouffé tout seul? Ah ouais, comme ça, il y a plus Venise. Ouais, il se met bien. C'est pas si grave que ça, je récupère sa puissance commerciale. Ah, pour toi, c'est encore plus simple pour prendre les deux. Ouais. Et surtout, en plus, il est que allié à Naples, donc ça va être facile. Je vais pouvoir faire les deux, les péter les deux d'un coup. Par contre, quand c'est vrai que mes soldats décident de se mettre en exil tout seul pour traverser les territoires. Tu viens de finir une guerre ou pas là? Non, je suis en paix. Et ils sont en mode mater les rebelles tout seuls. Et comme il y a Bagdad entre mes deux territoires, ils décident de passer par Bagdad et se mettre en exil tout seul. Ils aiment après, le tourisme. Ils reviennent. Ouais, c'est ça, mais... C'est nouveau, ça, non? Il est... La Toscane, mais fais attention, je vois que tu protèges l'indépendance de la Sicile. Ouais, et moi je vais envoyer un avertissement. Non, mais après je vais la défoncer aussi, mais c'est juste qu'au début c'était juste la Sicile, tu vois. L'île. Ouais, que matin elle vient grandir. Je l'avais libérée pour la vassaliser plus tard, mais elle est devenue trop puissante, elle a bouffé partout. Et puis là je peux plus la vassaliser, donc faut que j'enlève tout ce bordel là. Et puis de toute façon j'aimerais jouer avec elle, donc j'attends que mon roi écrive. Ouais, mais je dis juste, s'il attaque, j'ai un motif pour l'attaquer. Aussi, moi. Ça va être chaud parce qu'il va falloir que je tienne une demi-heure avec un problème de technologie. Ouais. Alors les Minami, tac. Non, faut que je refasse la paix. Donnez-moi vos sous. Ok. J'aime pas ça. Qui c'est qui m'a tué des hommes comme ça gratos? Ça me fait pas plaisir du tout ça. De toute façon, est-ce qu'ils sont prêts à se rendre? Non, ils veulent pas se rendre pour le moment. Donc on va se taper. Ah, j'ai un super bug à l'écran. J'ai un navire de la Norvège qui est bloqué en haut. Ah ouais, en rollant, moi je commence à voir un. Des graphiques aussi. Ouais, pareil. On relance le jeu ou quoi? Bah, franchement, il reste presque plus rien. On lève tôt demain, quoi. Ouais, ça c'est. Pour une demi-heure, on peut survivre. Ouais, voilà. Quoi, mais c'est tellement mauvais quoi.
Je vais faire quelques améliorations. Voilà. Quelques petits bâtiments de plus. J'aimerais bien faire des vrais casus belli contre la France. Comme minimum, elle me donne. J'avoue que j'ai toujours mon armée ici pour attaquer une petite attaque sur lui. Prendre tout ça et c'est lent. Allez, foncez là-bas. Oh là le. Oh le, un peu graphique, ouais, je peux mettre aucun conseiller diplomatique. Oh le ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Moi je peux plus. Enfin, de toute façon, j'ai pas les points, mais je peux pas upper mes doctrines. Ok, ça c'est fini. Par contre, je voudrais savoir si quelqu'un peut m'envoyer 250 Lucas, s'il vous plaît. Merci. C'est pas que je veux pas, mais je les ai pas. C'est bon, mais j'en vais voir. Si j'attaque la France, il y en a qui veulent rejoindre ? Oui ! Moi j'ai déjà trop d'expansion. Okay. Je rejoins, mais je prends pas de territoire. Parce que je suis en mode PLS. C'est quoi le mode c'est PLS ? Position latérale de sécurité. Quelqu'un peut me renvoyer en encore 150, s'il vous plaît ? Non, 200 précisément. Je viens d'avoir deux malus là. C'est à peu près la même chose que la position fétale. Toujours dans la déception, t'as perdu tel sem. Tiens, je peux acheter 5 armées, bah je vais le faire. Ouais, je suis au bout, je viens de prendre un emprunt. Ils t'ont pas donné de fric. Ah, l'Ottoman, c'est le mec le plus riche du monde. Ouais, mais comme j'ai deux mauvais. Deux mauvais events. Ouais, deux mauvais events, et il manquait. Combien 10 pièces du cas pour éviter d'avoir un point. Vous savez, il lui manque 10 du cas, il en demande 250. Par contre, ça m'a donné un emprunt de 2600. Oh, ouais. Mein Gott. Ah oh, les intérêts que j'ai pour ce du. On se reprend 7 d'intérêt. Oh la vache. Ouais, hey, c'est pas comme ça. Heureusement que j'ai pas d'inflation là, sinon je sais pas combien ça m'aurait fait. Allez, encore 20 ans, la Catalogne va être intégrée. Et ça va me faire le plus grand bien, ça. On passe au-dessus. Il faudrait que je continue un petit peu par là pour approcher l'Illinois, pareil. Abonnés ignorons la demande. Natal qui va finir prochainement. Hop, toi, je te transfère dans la compagnie commerciale tout de suite. En 1600, on est ici. Ouais, encore Ferrer qui va s'étendre sur Venise. Bah, ils sont bons, Ferrer. C'est juste que Venise est complètement pété, il n'y a plus d'alliés.
Donc il reste plus qu'à prendre des Rhoins, quoi. Et tu veux pas faire une... Tu veux pas faire une guerre pour vassaliser Ferra? Vassaliser quoi? Ferra. Bah, je te dis, j'ai trop d'expansion agressive. Avec l'Autriche, je suis à... 61. Ouais, mais comme elle est en coalition contre moi, elle pourra pas l'être contre toi. Ouais, et en plus, il vient... trop d'expansion aussi. Puis quand l'Athènes sera fini, bah, ils vont aller sur moi. C'est vrai. Ouais, mais je serai là pour les taper dessus. C'est casse-couille. Ah, on peut pas soutenir deux coalitions en même temps? Non. Non, je peux pas, non. Ah, ça, j'étais pas au courant. Bah, ils sont focus sur... Bah, moi, ça plus que ça, ouais. Bah, s'il y a deux mecs en Europe qui se font plaisir, tu devrais pouvoir rejoindre les deux coalitions. Bah, non. Ouais, mais Liga, il a pas cette compétence. Ah, mais un humain peut le faire. Je sais pas. Non, je crois que tu peux pas non plus. Hein. Ah bah ça, moi ça me plaît aussi. Meknes, c'est par ici, il me semble, non? Oui, c'est ça. Je dis, c'est 30 000 hommes. Si c'est bon, il peut faire un gangbang dessus, bah, j'en profiterai. En fait, si j'ai bien compris, avec vos armées, vous vous évitez. Hein? Parce que je vois l'armée anglaise qui passe à gauche et l'armée française est passée à droite. En fait, j'engage pas le combat, j'essaie de l'avoir sur le terrain défensif. Allez, il faudrait que je me lance, mais j'ai pas le courage d'y aller. On va l'avoir le siège, hein. Un jour. Natal, rappelé. Grafné. What the fuck? On va attaquer. Tu vas attaquer? Revendique. Ouais, je Cameroun. Pense. J'attends de prendre. Je prends Paris d'abord et j'attaque. Vas-y. Est-ce que je peux. Ah, c'est 21%, il va avoir le siège avant moi. T'es. Ah, vu que t'as fait une fissure. Carte coloniale ici. Bah oui, région coloniale. Ok. Si, tout ça c'est Pérou. Ah ouais, mais la Colombie elle a mangé la moitié du Pérou quoi. Ouais, quelque chose de fort étonnant. D'accord, elle est un peu violente là, ma Colombie. Oui, ça m'étonnait aussi. J'ai pas fait gaffe qu'elle avait fait tout ça. Ouais, en fait non, ça. C'est bon, il nous a fait perdre 20 000 troupes avec ses 20 000 troupes. Putain, mais les lancers de dés qu'il a. Ouais, voilà quoi. Il n'y a plus d'armée du coup il là. Il y a 11 dans cette dé, puis vous avez 0. Ouais, carrément. Ah ouais. Je peux te dire que ça rigole pas. Je vais replier 20 000 hommes. Ouais. Si on avait perdu, je me serais inquiété, on était quand même 100 000 quoi. Ouais, avec autant d'hommes. Ouais. Si tu perds.
Avec 100 000 hommes, ça commence à devenir inquiétant. Oui. Cardinal ministre. Oui, cardinal ministre, c'est bien. Ça, on en est à combien? On est quasiment à la fin. Ah, j'ai un colon disponible. Toi, t'as fini? Non, lui, il a presque terminé ici. J'en ai fini un ici. Eh ben, on va en lancer un là-bas. Pure gelérésie autrichienne. Il reste que 4000 français? Ouais. Vous l'avez wipe? Ouais, ouais. Oh putain, bravo! 100 000 troupes, ça fait le taf quand même, hein. Ouais. J'avoue qu'à cause d'un souci technique, j'aurais pas osé l'attaquer. Vu qu'ils sont plus d'armée, ouais. Autant en profiter. D'ailleurs, désespérément, ils ont essayé de couler ma flotte. C'est beau. Même magnifique, ouais. De vrais héros. Mort pour la France. J'aurais plutôt dit suicide pour la France, mais... Dans tous les cas, ils sont morts. C'est un synonyme. Ok, en fait, ça sert plus à rien parce que ça pourra jamais se faire. Par contre, on va Corée à la place. Je crois que j'ai pris le mauvais truc, mais c'est pas grave. Là, je suis toujours à fond, je peux toujours rien moi, faire. Moi, je voulais plus venir en Europe, je crois que je vais de nouveau revenir en Europe. Je m'ennuie trop dans les guerres en Afrique. Anglais, prépare tes troupes. Hmm? Prépare les troupes. Pas entendu en fait. Prépare les troupes. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Bah, qui va squatter l'Europe. Ah ouais, bon, enfin, avant de m'atteindre. Bah, là, il a juste à prendre Navarre, puis c'est fait. Hein. Tu parles de qui C'est l'Ottoman, hein. Mais... Ah, c'est l'Ottoman qui a dit ça. Ouais, ouais, ah, oui, oui, ça. Non, non, le Portugais. Il... Sorry, my nigga. Non, le Portugais, il est pas encore au point pour une guerre contre l'anglais. Contre une guerre contre le monde, ouais. Parce que... Non, pas encore en point. Autant encore sur, sur les mers, je peux peut-être te défoncer. Oh. Sur terre. sur les mers. L'Ottoman, il peut facilement venir en Europe et attendre l'anglais. Il suffit que je prenne trois provinces aux français. Si, et si c'est je bon. Peux dire que sans hésiter, ma flotte, elle est supérieure à la sienne. Non, non, non. C'est mort. J'ai des doctrines navales en plus et là. Bon bah tu me redonnes 10 ans et on se retape dessus. Ouais ouais. C'est, on n'est jamais à 10 ans près. C'est un jeu qui dure 400 ans, non. T'as vu Mébou il le dit. On t'attend d'avoir la mec et puis Médine pour... Quoi les Roms. Attends, quand tu veux. En fait c'est sûr que t'as plus de ports que moi donc tu peux avoir plus de... T'as plus de limites navales. Mais sinon, j'aurais fait, je sais pas, 80 vaisseaux lourds. Je les tiens. Ah, mais je compte pas que les vaisseaux lourds, je compte aussi tous les vaisseaux légers. Oh oui, bon. Un vaisseau lourd, ça fait 20 vaisseaux légers. Surtout un vaisseau lourd anglais. Ouais. Vous pouvez mettre en pause 30 secondes, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre en pause, hein, vous savez. Ah, mais je savais pas. Maintenant, je le ferai. Ah, vous, mettez... vous pouvez tous mettre en pause. Hein.
Et on peut décider de reprendre la partie aussi. Ouais. Ah non, même pas. Non ? Non, on peut pas. Heureusement. C'est bon, on peut reprendre, merci. Si on pouvait arrêter dans pas trop longtemps, parce que... Ouais, non, t'inquiète pas. D'ici 10 minutes, c'est fini. Ça y est, je suis de nouveau passé premier. Attends, j'ai pas mes cartes. Ouf. Amirauté ou armée royale. Ah ça c'est bien, je peux faire 6 conversions en même temps. Bon, je pense que la France c'est fait. Hein. Je pense aussi. Tu veux rien toi, t'es sûr? Ah ouais, bah j'ai... C'est bon, assez de problèmes. T'es sûr? Certain. Ah ça c'est un petit joueur quoi. C'est pas ça, c'est qu'à la prochaine, je suis pas là, alors c'est le bot qui va jouer. Ah ouais, j'avoue que... Bah t'as demain encore? Non, demain je travaille. Oh, dommage pour toi. Oui. J'ai hésité à prendre un jour de congé exprès. Hein. Sérieux? Ah ouais. Faut les consommer les jours de congé. Ah ouais, mais pour jouer à E4... J'aurais fait plein d'autres choses dans ma journée. J'espère pour toi. Ok, j'ai des rebelles et j'ai plus accès à mon à l'onglet économique en fait pour remonter la maintenance, donc je propose qu'on arrête là. Voilà, ouais. Juste je fais passer un jour parce que je viens de signer la paix en fait. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Ok, bah on aura fait une bonne partie hein. Je pense que ouais. La prochaine guerre mexicaine, mon Mexique est censé avoir le dessus avec ce que je viens de lui filer. Attends, hey, il a 21 000 hommes, mon Mexique. Hein. Oh, puis il a grandi aussi. Ouais. Non, mais le mien, je comprends pas pourquoi il grandit pas, sincèrement. Je lui ai refilé les pueblos, là. L'épée blanche ou pas, là? Pour vos Mexique. Ouais, il y a l'épée blanche. Ok. Mais la prochaine, ça va saigner. Je comprends pas, on a fait une guerre, ils étaient 13 000, et je viens de leur rajouter 8 provinces, ils sont 13 000. Ah mais tu viens juste de les rajouter, non? Ben ça, certaines, il y a pas mal de temps, ça fait au moins 2 ans, 3 ans. Ah oui, d'accord. Non. Regardez les jolis ottomans. Ah, pas mal. Du coup, t'as ton bonus des missionnaires, là? Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, carte de victoire en attendant. Donc, peut-être que tu cours les provinces, je pense. Carte de victoire, c'est. Ah non, c'est bon, ouais, j'ai rien des villes simples. Tu vois, la mec. C'est ces trois-là, parce que là, je vais les prendre. C'est mec, c'est pas comme ça. Ouais, j'en ai marre. J'ai la mec, je fais Jérusalem et Rome. En tout, ça fait 6 missionnaires en tout. Putain. Ça va, tranquille. Et tu rends Rome à la chrétienté bientôt ou pas? Parce que Rome, c'était un prêt, on est bien d'accord. Ouais, mais... Il est pas chaud, ouais. Si, dès qu'il faudra refonder l'Italie, je suis pas chaud. De suite. Tu as formé l'Italie maintenant? Ouais. Ouais, tu l'envoies alors. Je veux voir des preuves. C'est le mytho, hein, c'est du mytho. Il est pas chaud. C'est du mytho, mais j'aimerais bien l'avoir quand même. Mais non, je suis un Véron au moment où tu vas pas reformer. Attends, faut que je prenne Ancône et puis Vérone. Ouais, c'est pas tranquille. Je suis pas seul quand tu vas à l'Italie, pas avant. Ça m'aide à convertir. De toute façon, juste à péter le France, puis c'est fait. Je vais sauvegarder de toute façon si vous voulez quitter. Ouais. Et bon, sinon, je reviens. On fait quoi pour monter le SEM? Ah.
Parce que je les aimais bien. Ouais, mais ça me dérangeait. Ah, tu peux te les récupérer là. Ah oui, tu peux faire ça comme un grand. Et ben, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il faut que je vais tout retout payer. Ah ouais, c'est. Ouais. Bah, tu lui pètes 2-3 provinces, après tu le vassalises. Ouais, surtout que maintenant il est catholique, tu vas pouvoir faire professionnellement, non? Mais Telstem a jamais été catholique, j'ai laissé sunnite. Ah, d'accord. De toute façon, il est pas prêt à grandir, je lui mets un avertissement, s'il attaque, je le déconcentre. Okay. Bon, on va dire que j'accepte de le perdre. Il a averti tout le monde autour. Non, au pire, comme s'il y a vraiment eu un bug, on te laisse le récupérer tranquillement. Ah, si tu veux, on te laisse récupérer sans qu'on intervienne. Oh, bon, je vais réfléchir. T'as bien grossi quand même. Hein. Bah oui, gentiment, la Castille s'est offerte à moi. C'est quoi cette frontière au Nigeria là? Avec Bonnie? Bah, Oyo, c'est pas un de tes protectorats? Si. Bah, ils t'ont offert une province et tout. Ouais. Bah, mais en fait, à la base, j'ai colonisé Cameroun et Calabar. Et gentiment, le Portugais est arrivé et a pris les deux extrémités. Pour pas que je le colonise plus, hein, écoute. Tu prends la province de Gabon. Ça, tu t'aurais gavé sur le Congo. Et le Congo, c'est mon protecteur. Ah, en plus, oh putain. Ah, l'enfoiré. De toute façon, maintenant, il faut attaquer l'Asie. De toute façon, moi, j'attends toujours le petit cadeau que je devais avoir. Hein. Bah, tu m'as rien demandé, on a rien discuté. Ah non, mais tu m'as dit que tu trouverais quelque chose. Eh bah oui, mais le problème, c'est que tu veux pas d'argent. Bah, l'argent, j'en ai pas trop besoin. Tu gagnes 60 par mois. Ah, il fait péter le reste de l'Afrique du Sud, ça va aller, t'inquiète. Oh, y'a un moyen. Y'a un moyen de s'arranger. L'anglais gagne 60 par mois. Qui gagne plus?